Thank you.
Et bonjour les gens, comment ça va? Coucou le ado, coucou la kitty cat et merci pour le leurre, coucou mon remu. Vous allez bien? Coucou Noah, ça va bien? Tu vas bien? Oh la Dolly, comment va? L'expert céleste is back. Comment va la Dolly? Ça fait un moment. Très très fatigué, mais ça va, ouais, j'imagine, toujours le Covid. Tranquille toi, bah écoute, ça va. Dans l'ensemble, je dirais ça va. Ouais, ça date, ouais, ouais, c'est ce que je me disais. Un petit moment que je t'ai pas vu. Je suis encore en train de m'éclater avec ton nom. C'est le nom de Mario dans la série animée. Je dirais Médérien, non? Ouais, au moins un truc comme ça, là, Dolly, ouais. Au moins un truc comme ça. Covid plus coucher à 6h30, mais là tu cherches aussi un peu, Noah. Tu cherches un peu quelque part, là. Moi, j'ai un peu les intestins en vrac, je vous avoue. Un peu le bide en vrac. Ah bah ouais, non mais voilà, tu cherches aussi un peu la merde, Noah. T'avais pas essayé de te débaucher pour un Koh-Lanta sur Discord? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, là, Dolly, je t'avoue. Ça me dit rien comme ça, mais si ça date de mai, c'est normal que ça me dise rien. Parce que moi, de ce que j'ai fait hier, déjà, j'ai oublié. Oh putain, Apple Update, mais dégage. Bah non, t'as pas vu mon post sur Facebook? Non, franchement, je l'ai pas vu, j'ai regardé, parce que tu m'as dit que tu m'avais envoyé un truc. Et honnêtement, j'ai regardé, j'ai rien trouvé. T'as posté quelque chose sur mon mur à moi, Facebook, ou tu l'as envoyé en privé? Moi, j'ai check les trucs privés. Ouais, c'est possible que ce soit mai, mais je t'avoue, en tout cas, ça date. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ça date. Ça, c'est sûr. Ah, sur ton mur? Bah oui, bah... Écoute, ça arrive de se planter, hein. Bah écoute, je regarderai ça après le live, parce que là, je trouve pas. Avec le téléphone, c'est la merde, je regarderai ça avec le téléphone. Attends. Non, là, j'ai pas. Je regarderai ça après. Je regarderai ça après. Bon, vous allez bien? Vous passez une bonne journée? Nous, grève des profs, donc du coup, le fiston pas à l'école, rien. La totale. Murbanade, bon mélange de milkshake. Carrément. T'as déjà fait du coup la Dolly Zelda Link's Awakening? Tu l'as déjà fait toi? J'aime pas les murs trop acides, ouais, avec un peu de sucre ça passe. Ça passe, en vrai. Moi j'aime bien. Moi tout ce qui est fruits rouges, en plus ce qui est acide généralement j'aime bien moi. Donc tout ce qui est groseille aussi et compagnie. Mm. T'as fini le premier château? Oui, oui, quand même. Enfin, le premier château. Je sais pas si tu parles du... ce que tu veux dire par premier château, mais premier donjon, oui. Je n'ai fait aucun Zelda. Enfin, là, je suis sur Breath of the Wild. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Breath of the Wild, pour le coup, il change beaucoup de tous les autres. Mais au tout début, ok. Ok. Là, on est sur Link's Awakening aujourd'hui, donc comme mardi. Link's Awakening, donc, qui est un remake de ce, du jeu sorti sur Game Boy, hein, qui s'appelait aussi Link's Awakening, mais qui est sorti sur Game Boy à la base. Je suis new dans la commu Zelda. Pourtant, tu loupes des trucs, c'est trop, trop bien. Je suis vraiment en train de m'imaginer un mur en forme de banane avec la grosse tête de Zed taguée dessus. Ça va, ouais? Ça va, Ado? T'as pas aimé le nom, c'est ça? C'est le nom qui t'a perturbé. Du coup, tu te venges? Du coup, là, aujourd'hui... Link's Awakening, la suite, voilà, on va continuer, on est arrivé dans une nouvelle zone, la prairie de je sais plus quoi. Je sais plus, bref, là, une prairie. Voilà, on est arrivé dans cette zone-là, on doit continuer cette partie, et demain, donc, ce sera, par contre, du Deltarune. Ce sera pas Zelda, hein, ce sera du Deltarune. La fin, sûrement, de Deltarune, chapitre 2, voilà. Vous avez passé une bonne journée, sinon, les enfants? Oh, Deltarune, la base. Bah, on a fini déjà, Undertale dans tous les sens possibles. On a fait la route normale, la route pacifiste et la route génocide, on a fini. Donc voilà, Undertale c'était fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. Deltarune chapitre 1, j'ai aussi beaucoup aimé. Chapitre 2, je trouve un peu trop barré peut-être, je dirais. Une seule fois, petit jour. Ouais, ben, je vais pas passer 15 ans sur le même truc à chaque fois. Hein. J'ai tellement de jeux en retard, si je commence à m'attarder tout le temps sur le même jeu, c'est foutu.
Undertale. Allez, encore merci, Noah, de ta proposition. T'as rien lâché. T'as pas lâché l'affaire. Hein. T'étais à fond. Tu m'as demandé de le faire tous les jours pendant 2 mois. Et au final, tu vois, c'est devenu un de mes jeux préférés. Ah ouais, non. Ah ouais, non, non. Une fois qu'il est fait, moi, une fois que c'est fait, mon pote. On passe à autre chose. Hein. Je ne lâche jamais, monsieur Sted. Jamais. C'est bien. C'est une qualité. C'est bien. Enfin, ça peut être une qualité comme un défaut. Mais là, dans cette situation-là, c'était une qualité. Parce que pour le coup, c'était cool. Putain, j'ai l'impression de tourner au ralenti, c'est horrible. Oh, putain. Oh, la vache. Bon, est-ce qu'on se lancerait pas, les enfants? Est-ce qu'on lancerait pas le jeu? Let's go. Alors, attendez. Hop, on va passer sur la scène. Live. Yo, le Vessias, comment il va? Hop. Zelda. Voilà. Tac. Pause. Hop. Moi, je vais passer sur mon HDMI 2 pour avoir la vidéo en direct. Comment il va, mon Vessias? Ouais, vas-y, juste pour le fun, je relaisse la cinématique, elle est juste trop bien. Juste pour le plaisir. Ah, franchement, elle est beaucoup trop stylée, cette cinématique. Je suis enfin tranquille, plus d'examen pour le semestre. Stylé, ça fait plaisir, Vessias, il va enfin pouvoir se reposer, le pauvre. Tu vas enfin pouvoir te poser tranquillement. Voilà. Yo, le fly! Comment il va? Allez, je... On y arrive. Hop. Voilà, prairie ou coucou. On a 2 instruments, ce que j'ai compris, 2 sur 8. Donc seulement 2 sur les 8 de dispo à récupérer pour aller à la fin. Donc on a encore une petite trotte à faire. Petite trotte à faire, hein, je pense, sur le jeu. Pourtant, l'autre jour, j'ai fait quand même un stream de 5h30, 6h dessus. Bon, ok, j'ai passé 2h pour chercher un PNJ, mais quand même. Et on était dans la prairie. Oh putain, j'ai les yeux qui rament. J'ai les yeux qui rament. Direct un combat alors que... Je suis pas encore dans le jeu. Génial. Allez, Paula, l'autre chieuse. Tu parles de qui? Tu parles de Hi-Phase? Eh ben, mon bébé. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Mais va le donner à maman, ça. Va le donner à maman, ça, mon... Et ferme la porte derrière toi, Mathieu. Ferme la porte chez papa. Rien à faire. Ah, je vous jure, celui-là. Rétro, la catégorie, si tu veux, c'est un remake d'un jeu qui est sorti sur Game Boy. Donc j'ai envie de te dire, je me suis mis en rétro, quoi. Je me suis mis en rétro. Parce qu'en fait, la catégorie Link's Awakening sur... la catégorie Link's Awakening sur Twitch, j'ai l'impression qu'elle... C'est uniquement pour la version rétro, en fait, de Link's. Y a pas l'image du nouveau Link's Awakening, etc. Y a pas de différenciation entre l'ancien et le nouveau. Je me suis dit, autant me mettre en rétro, quoi. Alors, attendez. Parce que du coup, d'après ce que j'ai à faire... Hop, il m'a dit juste... La prairie t'attend. Ok. Et la seule prairie qu'on a vue sur les cartes, c'est celle-là. La prairie ou coucou. Voilà. Donc... J'imagine... Ah, attendez, est-ce que ça fait partie de la prairie? Non, ça c'est la baie. Ça fait autre chose. Donc la prairie, ce serait juste cette partie-là. Là, je vois une sorte de donjon, j'imagine. Donc on va continuer vers là, hein, tout simplement. On va remonter. Là, j'ai commencé à descendre, donc c'est pas le bon plan. Là... Ah, c'est peut-être ça, en fait, le donjon. Ah ouais, en fait, il est peut-être là, le donjon. Donc, il faudrait que je continue par là, que je check par là d'abord, je pense.
C'est quand même mensonger ça, monsieur. Bon, mensonger, oui et non, ça reste. Il y a quand même une version rétro qui est sortie. Enfin, le jeu, c'est un jeu rétro à la base, c'est juste un remake, on s'en fiche. Ça change pas grand chose, je veux dire, en soi, mon petit Vestias. Oh putain, je suis tombé comme un con. Voilà. Ça change pas grand chose en soi. Hein. Les arbres là, ils font vachement Animal Crossing quand même. Bon. Du coup, on va partir par la droite. On va aller voir ce qu'il y a par là. Et on peut sauter. Hein. Oui. Oh punaise. Voilà. Je peux casser le truc de miel là? Non. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh la vache. Je me demande ce que c'est les trucs là qu'il y a par terre, ces trucs là. On peut pas le bouger, on peut pas le tirer, non. Hop, non. Par contre. Hop. Une petite bombombe. Ah bah oui, bah voilà. Une petite bombombe. Ah y'en a. Mais tape. Et GG Ado qui passe level 38, GG à toi poteau. Ok, donc c'est juste pour redescendre là, d'accord. Genre c'était juste pour passer. Ok, je vais quand même remettre ça pour éviter de flinguer mes bombes. Ouch. What? C'est quoi ce mob? Et il joue dans lui. Et coucou le Seal, comment il va? Mais il est chiant ce mob là. Ils sont tous chiants ici en fait. Si j'avais l'arc, ça se passerait mieux, mais là, j'ai pas d'arc en fait. Comment il va, mon Silke? GG pour le level up. Ah, Ado. Ok. Alors, on va voir, il y a quelque chose en bas là. Il y a aussi de la flotte là à gauche. Ah, il y a un autre passage par ici en fait. Ah, peut-être qu'en sautant, on y arrive. Yes. Ah, ok. Donc ici, pas de problème. Ah, mais ça me permet juste de revenir en arrière plus rapidement en fait. Ok. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on n'a pas la clé. Comment il va, mon Silke? Je suis en train de me faire défoncer, hein. Je suis en train de perdre tous mes cœurs. Ouais, et puis là en dessous, c'est complètement autre chose, donc pour le moment, on s'en fout. Ok. Ok. Donc. On va monter. On va aller voir le... Oh mais merde, faut vraiment que je mette plus mon... Ouah, j'ai crevé. Je vais réussir à crever d'entrée de jeu. C'est quoi ce skill? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le papy Ramolo là? Pépé le Ramolo à l'appareil, as-tu rencontré tous les gens de l'île au sud-est du village en bordure de champs? Donc sud-est, ok. Vit un homme appelé Richard, je te conseille d'aller le voir, salut. Sud-est, et coucou le Balik! Comment on va? Attends, sud-est. En bordure de champ. Bon, dans tous les cas, de toute façon, on va continuer par là-bas, nous. Hein, donc, là, je pense qu'il y a le château. Ouais, voilà. Mais je pense que on a vraiment, c'est vraiment dans cette zone-là que ça se joue. Hein, dans toute cette zone-là encore. Hein. Parce qu'en dessous, là, en fait, si je recule la carte, on est sur la. À moins que la baie, ça soit vraiment juste la partie là. Bordure de champ. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle champ quelque chose là? Je vois pas, hein. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Un peu claqué en vrai, ça va. Et un peu les intestins en vrac, mais ça va. Oh! Je vais devenir super puissant. Et si je les touche pas, ça sert à rien. Voilà, casse-toi. Meurs, voilà. Bon, le château, on va pas y aller tout de suite. Clairement pas. Quoi, c'est quoi ça? Oh, c'est dégueulasse. Château canulé, 50 pas, ok. Oh, c'est dégueulasse les araignées là. Oh, l'animation elle est dégueulasse. Ah, je déteste ça. Je déteste ça. Là, ça tourne plutôt bien. Alors que d'habitude on a des petits ralentissements, là ça tourne plutôt bien. Oh la vache. Oh là là là. Ça fait vachement Playmobil comme jeu. Ouais, c'est ce petit côté plastique sur les textures qui donne cet effet-là, je trouve, Noah.
En vrai, ça me dérange pas. Hein. Elle est pas si présente que ce que j'avais en tête, moi, avant, en fait. J'adore ce Zelda. Bon, je ne l'ai pas encore terminé, mais il est tellement chouette. Ouais, franchement, il est stylé. Et un truc par rapport aux autres Zelda, le fait de pouvoir sauter, je trouve que ça rajoute tellement de choses au niveau du gameplay. Tranquille, on regarde le super skill de Ced, au secours. Le super skill. Oh, punaise. Merci beaucoup pour les 10 bits. Merci, mon Malik. Pour me financer, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, du coup, je pourrais aller en bas. Ou d'abord regarder ce qu'il y a en haut, là. On va d'abord regarder ce qu'il y a en haut. On va commencer par là. Voilà. Oh la vache. Il est bien mon skill, là, ou pas, Silke? Il est beau, mon skill, là. Ah, vous êtes tout émoustillé, je pense, en me regardant, là. Vous dites, mais quel PGM. Quel skill de folie. Oh, coquillage. Bon, bah, un petit coquillage. Ah, mais attendez, maison coquillage. C'est ça, hein. Maison au coquillage. Ah, je vais peut-être enfin savoir à quoi ils servent. Oh, en vue 2D. Oh, bien. Dans la maison vide, une voix résonne. Je suis l'esprit qui réside dans la maison au coquillage. J'attendais celui qui se dresserait contre les forces des ténèbres. Rassemble les coquillages dissimulés sur l'île, apporte-les ici et monte sur le piédestal. Je remettrai à celui qui aura prouvé sa valeur une épée abritant les forces de la lumière. Oh, c'est pour la Master Sword. Tout ce qu'il me fait. La plume, meilleur objet, on la retrouve que dans les oracles, il me semble. Je sais pas, je les ai pas fait à l'époque. Moi, en fait, c'est une full découverte, mon Vessias, hein, sur ce jeu. Hein. C'est vraiment une full découverte pour moi. J'ai pas fait à l'époque ceux sur Game Boy, comme Awakening, par exemple. Donc, je suis tout chaud en te regardant, Silk. c'est gentil. Merci beaucoup, mon Silk. Ouais, moi, je les ai pas fait à l'époque, Vessias, parce que je pouvais pas avoir tous les jeux, malheureusement. Hein. Ça coûtait cher. Bien, il ne reste plus qu'à trouver plein de coquillages et à monter sur le piédestal. Ouais, ça fait quoi si je monte? Il y a une jauge pour me dire à peu près où j'en suis. Oh, j'ai validé un truc déjà. Un cadeau. C'est bon, ça. Si tu veux le faire à 100%, on en a pour des bois. Non, je le ferai pas à 100% en live, clairement pas. Mais que ça ne m'empêche pas de... Oh, quand même, un quart de cœur. Que ça ne m'empêche pas quand même d'avancer, d'essayer de récupérer un maximum de trucs. Hein. Je vais pas forcément tracer, tu vois. Mais je vais pas forcément le tracer. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire bien. Vous avez ressemblé à un quart de cœur. Du coup, j'en suis où au niveau des quarts de cœur? Alors. Et coucou, Tin, comment tu vas? Ah bah du coup, je viens d'avoir un nouveau cœur, en fait. Nickel. Donc, ici... Bon, je pense que ça l'a noté. Ouais, ça l'a noté. Maison au coquillage. Nickel, ça. Et franchement, c'est trop bien. La carte est trop bien, en fait. Le système de cartes où tu peux rajouter des balises. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le système de cartes où tu peux rajouter des balises. Le système de cartes où ça te note dessus les points importants comme la maison au coquillage, ce genre de truc. C'est trop pratique. Là, je pense pas que ça y était dans l'original, en vrai. Tu vas bien, Tin? Alors attendez, parce que là du coup j'ai fait ça. Bah, faut qu'on aille checker par là. Hein. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire ici en vrai. Hein, parce que là il y a un hibou. Donc je pense que c'est par là. Hein. Hop. Ah putain, dans l'eau, je peux pas y aller. Je peux pas y aller forcément. Ah, des bananes. J'ai des bananes pour toi, je pense. Banane, miam miam pour Kiki. C'est ça. Ah, c'est pour Kiki les bananes. Le copain, venez, on va le remercier. Oula. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Ils font un pont? Oui, ils m'ont fait un pont, les gentils petits. Oh, ça, c'est gentil. Ah, donc ça servait à ça, les bananes. Le pont des singes est prêt, salut. Wouhou. Ah, et je récupère du bois au sol. Ok, vous avez ramassé un bâton que les singes ont laissé tomber. À quoi ça pourrait me servir, le bâton? Alors par contre, là, ça me donne un chemin pour venir là, mais il y a le château. Et moi, je voulais pas aller au château. Oh bah, trop tard, j'ai découvert le château. Hein. Bon, après, je pense que... Là, je peux rien faire pour le moment, je peux pas aller dans l'eau, genre. Ouais, voilà. C'était quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit quand il se noie? On aurait dit un murloc. Non, où? N'importe quoi! Oh putain, j'avais complètement oublié tout le système de troc. Mais il y avait un système de troc identique dans quel Zelda c'était qu'on a fait?
Minish Cap. Dans Minish Cap, en fait. Ah ah. Il y avait un système identique dans Minish Cap, en fait, le Fly. Ah ouais, non, mais la mort par noyade, je t'avoue. Oh putain, des Goombas. J'ai tombé. Putain, j'ai cru que j'allais tomber dans les pics. Hein. Ouais, le système de saut, ça leur permet de faire des plans 2D à la Mario, machin et tout. En plus, ils ont mis des Goombas, c'est trop stylé. Par contre, je suis dans le château là. Je suis grave dans le château en fait. C'est pas du tout ce que je voulais. Non, je vais me casser d'ici. T'as toute une série d'échanges de 10-15 pour diverses récompenses. Ouais, je sais. Je me doute bien que c'est comme dans Minish Cap, mon pote. Hein. Ouais, on peut leur sauter dessus comme dans. Ok. Hop là. Et là, donc j'ai un bâton. Faudra que j'y réfléchisse. Donc par là, je pourrais pas y aller. Et qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Je pense qu'il va me dire toujours la même chose. Hein. Et si tu essayais d'utiliser les bombes dans un endroit, dans des endroits suspects, j'espère que ça t'aidera. Salut. Bah ouais, mais je connais le système, merci. Ouais, je pense bien qu'on va avoir, mais après je sais pas ce qu'on va gagner, c'est ça le truc, je sais pas ce qu'on va y gagner. Bon bah écoutez, on a quand même fait ça, c'est bien, par contre ça me permet pas d'avancer dans l'histoire, cette histoire. On va regarder à gauche, là, s'il y a quelque chose. Le seul défaut que je lui trouve pour le moment, hein, au jeu, c'est les petits ralentissements. Voilà, il y a des petits ralentissements. Par-ci par-là, ce qui m'étonne énormément de la part de Nintendo, je vous avoue. Est-ce que c'est Nintendo même qui a fait le remake, ou est-ce qu'ils l'ont filé à une équipe secondaire ou un autre studio, je ne sais pas. Mais c'est quand même extrêmement rare de voir des ralentissements dans un jeu Nintendo. Ah, attendez, par là sûrement. Ça m'étonne, je vous avoue. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Village des animaux B de Martha. Je sais pas. Je dirais par là plutôt. Hein. Oh fuck. Oh mais fuck. Je fais n'importe quoi hein. Voilà, boum. On va essayer de regarder par là. Minish Cap a copié Awakening. Ah bah oui, non mais clairement, puisque c'est sorti après hein. Je veux dire, Awakening est sorti en first et Minish Cap est sorti bien après. Il est sorti sur Game Boy Advance si je dis pas de conneries. D'ailleurs on l'avait fait en live, moi j'avais beaucoup aimé Minish Cap hein. Ok, on va voir, il y a une porte. Ah merde, cette mort par noyade, hein, ok. Attendez, je me pose deux secondes pour vous lire rapidos. Ah oui, vas-y, je lui dis de venir. Tu veux la dédicace pour Kay? Quelle dédicace? Je prépare, tu me donnes le signal. Ok. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Genre! Oh la vache. Eh, vas-y là! Au secours! Allez, viens par là! Viens par là! Ah! Casse-toi! Ah, là, il faut une bombe! Il faut une bombe là! Ici! Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Boum! Tu gambades dans les prix sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. Et c'est ainsi qu'il mourut dans une caverne sombre. Non, ça va, pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Ah putain, ah. Ok. Oula! Où est-ce que je vais là? Ok, un petit cœur. Ils sont gentils avec les cœurs, je trouve, dans ce Zelda. On en trouve assez facilement. En vrai, si je le fais tomber là, mon but c'est de faire quoi là? Alors, c'est soit de passer là. Il y a encore quelque chose à voir de l'autre côté là. Le problème c'est que si je pousse celle-là vers le bas, je vais arriver là. Déjà, celui-là, on le dégage. Ensuite, on peut faire ça, tout simplement. Ah, y'a rien en fait là. Là en fait y'a juste rien. Ok. Donc. Ça danse. En vrai, si je pousse celui-là comme ça. Il veut pas? Ah merde. Ah, il veut pas!
So what? Ah, celui-là non plus? Ah, ok. Oh, la hitbox. Eh bah, la hitbox, qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Donc, ce serait pas par en haut, ce serait forcément par ici. Ah. Ok, celui-là, je peux donc. D'accord. Je peux pas le pousser plus, forcément. Ah, bah voilà, en fait. Simplement. Je suis bête. Hein. Ne répondez pas! Ne répondez pas! Oh merde, tu sautes. Oh, mais quel con. Pourquoi faudrait que je... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, le Eijin! Merci beaucoup pour le raid! Comment il va, mon poteau? Comment il va, le D-Price? Raid! Comment ça va, les copains? Comment ça va, mon Eijin? Coucou, Coquelicot! Alors? À la guerre! Comment ça va, les poulets? Vous avez fait quoi de beau en live aujourd'hui? Je comprends pas pourquoi ils ont mis un caillou là. Et un caillou sur lequel on peut rien faire a priori. Coucou les raiders et les raiders! Vous allez bien? Alors ça a fait quoi de beau en live aujourd'hui, mon Eijin? Et coucou Naruka! On vient te faire tes poutous avec des barres de fer, les barres à tout faire. Ça va et toi? Eijin voulait te casser la gueule, je cite. Mais qu'est-ce que. Quoi? Comment ça? Pourquoi il veut me casser la gueule? Pourquoi il veut me casser? Qu'est-ce que j'ai fait, Eijin? Eh ben, mon poteau, pourquoi tu veux me casser la gueule? Red Shadow Legend. déconne pas avec cette blague, il l'a fait. Plus tard, cette faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas, mon Flyert? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui fait que je mériterais ça? Non, c'est faux. J'ai rien dit. J'irai voir le replay. J'irai voir le replay, mon pote. J'ai pas confiance. Ah, mais en fait, c'est peut-être juste pour revenir en arrière. Bah non, pourquoi ce serait juste pour revenir en arrière? Je comprends pas. Et merci pour le follow, le D-Price. Merci beaucoup, mon pote. Installe-toi confortablement. Alors, pour ceux qui me connaîtraient pas, moi, c'est cette sphère. Bonjour, c'est moi, ça. Et je fais principalement du jeu rétro, du jeu indé et des lives musicaux sur la chaîne. On a aussi d'autres choses, hein. On a aussi des... comment que ça s'appelle, des quiz qui arrivent, des soirées spécialement pour les VIP, des jeux en multi, donc Mario Party, Mario Kart, ce genre de choses, hein. Voilà. Donc, en gros, voilà, ça, c'est moi. Bonjour. Et là, on est sur Link's Awakening, le remake sur Switch du jeu qui est sorti sur Game Boy à l'époque. Voilà. Première fois que je le fais, j'ai pas fait l'original, moi. Non pour le rocher. Ah, c'est plus tard, d'accord, ok. Bon. Mais du coup, faut que je le note. Si c'est pour plus tard, faut que je le note. Ça me paraît louche qu'il y ait juste un rocher comme ça. Hein. Oh, la capability, comment elle va? Yop là, cette sphère, je passe vite fait et reste en lurk le temps de faire à manger à mes loulous poilus. Pas de soucis, merci beaucoup pour le lurk, j'espère que tu vas bien, capability. Et du coup, je vais le noter ici. Il y a quelque chose. Hop. Bon, ça me dit toujours. Ça me dit pas spécialement ce que t'as fait en live, mon Eijin. Hein. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Il me semble que t'étais sur du The Witcher, mais je suis pas sûr, non? T'as fait une après-midi Witcher, non? Tout près d'ici dort un secret. Très bien, merci. Merci, Captain Obvious. Mais je suis pas sûr. Hein. Enchanté, remake du jeu que je n'ai pas encore ouvert, Pokémon Unite. Ah, du Pokémon Unite? D'accord, ok. Y'a encore du monde là-dessus? Y'a encore du monde sur Pokémon Unite, vraiment? Ah oui, d'accord. Les bottes de Pégase. Ok, bon, là en tout cas, ça sert à rien. Tac, on va redescendre, hop. Parce que là j'avais pris le passage secret, mais en vrai, il y a le passage normal aussi à récup là par là. Oh! Un changement d'écran à l'ancienne. Oh! Un fragment de puissance. Let's go, mon pote. Casse-toi. Voilà. Oh! Va se calmer, hein. Enfin, j'ai récupéré le gland. Écoute, non, pas tant que ça, mais j'ai relancé après 3 mois. Ouais! Il me semblait bien que le jeu il avait appris un petit peu de... Enfin comment dire... Il y avait une grosse hype au début comme tous les jeux et puis j'en vois de moins en moins quoi des gens. Witcher c'était ce matin, d'accord, ok. J'ai vu passer vite fait le truc sur Twitter mais j'avais plus tout en tête je t'avoue. On dirait les arbres magiques de quand on était petit, les arbres de ce jeu. Ouais tellement. Et donc il y a plus grand monde sur le jeu. C'est dur de trouver une game ou pas? Oula. Allez, meurs. Merci. C'est dur de choper une game ou pas? Jamais réussi à accrocher à la hype Pokémon Unite. Bah écoute, moi j'ai jamais fait de Pokémon de ma vie, je sais, ne me tapez pas, hein, surtout la communauté de Eijin, voilà, je sais que Pokémon...
Voilà, je vais me faire taper en disant ça, mais bon. Je le dis quand même, je n'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. Oh, ATP. Oh, ça, ça fait plaisir, un TP. Ah ouais, trop bien, je vais pouvoir me TP plus facilement par là-haut, si jamais. Trop bien. Ah, et ok, ça, ça me ramène là, mais par contre, il me faut les bottes de Pégase aussi pour avancer par là, je pense. Ok. Oula. Non, ça attaque vite, mais c'est rare de tomber avec des mêmes, avec les mêmes gens. D'accord. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il dit, le pépé, le ramolo, là? Je ne sais pas trop pourquoi, mais le corbeau du château me semble suspect si tu essayes de lui faire peur. Hein. Je vais pas aller au château maintenant. Non, mais je ne jugerai pas. Ah, mais voilà, Pokémon, je suis passé complètement à côté de la hype. Et merci, Naruka, pour le lurk, merci beaucoup. Moi, je suis passé complètement à côté de la hype Pokémon à l'époque. Et pour le coup, je l'ai pas rattrapé. J'ai jamais joué à FF de ma vie. Ouais, bah voilà. Ouais, non, par là, en fait, je peux pas y aller tout simplement parce qu'il faut les bottes de Pégase. Non, 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 je ferai pas de Pokémon en live, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, les Pokémon. On va perdre les trois quarts du, des gens. Imaginez si je devais faire un Pokémon en live, c'est combien d'heures de jeu un Pokémon minimum? Sans déconner, dites-moi. C'est combien d'heures de jeu si... Déjà, quel Pokémon vous me conseilleriez pour commencer la série, pour vraiment découvrir la série, et surtout, combien d'heures de jeu pour un Pokémon? Dites-moi. Oh, moi, je dirais plus que 15 heures, Balik. Pas possible. 15 heures, à la limite, je veux bien tenter, mais à mon avis, c'est plus que 15 heures. Platine version DS, Pokémon rouge. Oula, avec toi, ça fait une quarantaine d'années. Salaud ! Salaud ! Ah non, mais ça me dégêne. Oui, oui, non, mais bien sûr que je fais beaucoup de rétro aussi. Deep Rise, là, c'est un... Voilà, c'est un remake d'un jeu rétro, au final, là, tu vois. Mais généralement, on fait aussi beaucoup de rétro sur la chaîne. Ça dépend, je mets une vingtaine d'heures et je traîne beaucoup, ok? Mais non, celui-là est full action en open world. Ah, c'est celui qui va sortir, c'est le nouveau qui va sortir, ça fly, non? Je comprends pas trop où je dois aller, là. Parce qu'il faut que je chope la clé qui est là. Ça... Enfin, il faut que je chope la clé pour aller là, forcément. Ça, c'est le donjon. 100% sûr, ça, c'est le donjon. Mais la clé, où est-ce qu'elle se trouve? Il m'a dit d'aller à la prairie, mais machin, là. Et là, le problème, c'est qu'on change. On n'est plus dans la prairie, on est à la baie de Martha. Et là, clairement, il me manque des objets ici. La clé de... Enfin, ici, il me manque des objets, clairement. Parce qu'il me faudrait les bottes, je pense. Genre, ici, il me faut les bottes pour passer au-dessus de la flotte, pour aller là, je pense. Etc, etc. Je vais quand même essayer de le faire, hein, vu que je suis près du truc, mais... Déjà, là, je peux pas passer. Il y a des trous partout, je peux pas passer. Et coucou, Julianski, comment va? Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. J'ai fini le dernier... Ah, attends, ça va trop vite. Attends, je remonte le chat, ça va un petit peu trop vite, les copains. Non, 15h, easy, ok, ça marche. Bon, ça dépend, je mets une vingtaine d'heures, ok, si je traîne beaucoup, mais celui-là est full action, d'accord. Je finis le dernier en 23h en prenant le temps, en farmant, en off, pour pas avancer... Oh, ok, 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 ok. Et donc, bienvenue à toi. Alors, putain, vos pseudos, au secours, les gens. C'est tellement chiant à vous lire. C'est tellement dur à prononcer. Donc, je suis désolé si je l'écorche, hein. Alors, Julianski, ok, Julianski, je vais t'appeler Jiu. Ok, je vais t'appeler Jiu, ça sera plus simple. Ou Lianski, ou Ski. Ski, c'est simple, Ski à dire. Bienvenue à toi. Donc, je sais pas si t'es venu avec le raid de Edgin, mais ici, on fait principalement du jeu rétro, du jeu indé et des lives musicaux. On fait aussi du jeu, des quiz, des trucs comme ça. Là, pour le coup, pour moi, c'est la première fois sur Zelda Link's Awakening. Voilà, j'ai commencé par le remake parce que j'ai jamais fait l'original, en fait. Ouais, il a l'air incroyable, je me fab dessus. Ok, rouge, vert... enfin, rouge feu, vert feuille, les remakes des premiers sur GBA sont bons, ok. On finit du mois, oui, fini du mois, fin du mois, j'imagine que tu voulais dire. Hello la série, yolo Iniel, comment va? En fait, la durée sur Pokémon dépend si tu fais la route directe, si tu prends les bifurcations. Ok, ok. J'en ferai peut-être un en off pour découvrir la série, voir si j'aime, plutôt que me lancer directement dessus, quoi. T'es pas le seul à m'appeler Jiu. Ok, bon, je vais t'appeler Jiu alors, c'est plus simple. Ah, l'original, je m'en rappelle. Ouais, bah, je l'ai en original, hein, mais je l'ai jamais fait, en fait. Vous êtes chiant avec vos pseudos, quand même. Pensez à 7, quand même. Avec son handicap visuel et mental, c'est dur à prononcer parfois. Mais quel salopard. Quel salopard, putain, c'est pas possible, quoi.
Aïe. Putain, je me fais trash talk dans tous les sens. Bon, on peut pas. Non, je peux pas. Hein. Vraiment, c'est une zone où je peux pas venir normalement ici. Enfin, je peux pas venir. C'est une zone pour plus tard, ça. Clairement, là, il y a des ennemis que je peux même pas attaquer. À moins que en sautant, je peux l'avoir. Non, je peux même pas l'avoir en sautant, il faut un arc. Donc, clairement, je suis pas au bon endroit. Ouais, t'as déjà. Qui a déjà fait du coup Link's Awakening? Qui l'a déjà fait ou l'a fait à l'époque? Ou le remake, hein, tout simplement. Hop là, on va dégager ça. Nickel. Je veux bien, merci toi. Bah écoute, ça va. Un peu le bide en vrac, mais ça va. Après, je sais pas si on peut vraiment accrocher la Pokémon si on n'a pas beaucoup grandi avec. Ouais, ça c'est autre chose. C'est un peu ce qui me fait peur, je t'avoue. C'est un peu ce qui me fait peur. Je suis deck, je l'ai commandé avant qu'il fasse l'offre. Oh putain, ça parle beaucoup là. Oh putain, j'ai lancé le sujet Pokémon, c'est foutu là. Le chat, il part en couille. Ok, donc je suis dit que je l'ai commandé avant qu'il fasse l'offre avec la statuette. Ah merde, bah tu peux pas annuler ta commande vu qu'il est pas encore sorti. Après, si la 2D isométrique te dégoûte pas, teste cristal ou bien la 1... Ok. Il y en a qui sont venus avant réellement, hein. Comment veux-tu prononcer ça? Oui, j'avoue, quand il y a des pseudos comme ça, c'est compliqué. Il y a une offre avec une statuette, ça je ne savais pas. Et voilà, tu clashes et tu montes en level la classe, j'avoue. Moi sur Game Boy, ok, donc Deep Rise, toi tu l'avais fait sur Game Boy, ok. Moi je l'ai fini à l'époque, bah, Romu ça m'étonne pas, ok. Iniel aussi, oh, vous allez pouvoir m'aider, c'est bien ça. J'ai préco avec la figure mais je pourrais pas la récup, je vais prendre un démat de toute façon, elle est moche. Alors Edgin, on sent un petit peu le message de, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait un petit peu un message de rageux. Je sais pas comment dire. J'ai la version collector du remake, ok. Ah, stylé, par contre. J'ai fait la version DX de Link's Awakening et le remake, ok. T'en as pensé quoi du remake, Vessias? J'ai fini tous les Zelda déjà, j'ai fait celui de Switch en ce moment pour voir les changements. Ok. Ok. Bon bah j'en vois un petit peu plus. Là je suis clairement pas dans la bonne zone. Hein. Je vais ressortir par là en fait. Alors du coup si je suis pas dans la bonne zone parce que j'ai pas les pompes, par où je dois aller? Parce que là ok, il y a la maison au coquillage. C'est ok. Là, je vais essayer quand même d'aller voir là, mais je pense que c'est grillé en fait, ici. Ah non, je peux même pas y aller, je pense. Là, il faut que je descende dans l'eau. Donc toute cette zone-là, en fait, c'est grillé, je pense. J'ai pas été voir ici. Je sais pas si ici, c'est une nouvelle zone. Ou si ça fait partie de la prairie, en fait. Parce que... Faudrait que je retourne voir là, la cabine téléphonique, en vrai. En vrai, faudrait que je revienne là. On va revenir en arrière. Franchement, ouais, parce que là je suis un peu paumé. Hein. Là c'est un peu paumé. Bon, là il y a une cabine, mais c'est pas la bonne. Parce que là, cet ennemi là, il aurait dû me mettre la puce à l'oreille si vous voulez. L'ennemi là, je peux pas le tuer. J'ai pas ce qu'il faut pour le tuer, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille en vrai. Hop. Non, vraiment, elle est pas belle. J'ai assez de figurines pour dire objectivement qu'elle n'est pas belle. D'accord, ok. Switch pas terminé, je pense que je vais le laisser de côté et faire tous les Zelda dans l'ordre chronologique. Oh putain, bonne chance Balik. Bonne chance mon copain. Quand tu dis l'ordre chronologique, tu parles chronologique, pas de sortie, l'ordre de... La pseudo-histoire, c'est ça, qu'ils avaient sorti. Gigo, je dois chercher madame à la gare, bisous. Des bisous mon Eijin. Si maintenant tu commandes Pokémon Legend Arceus chez Micromania, tu reçois gratuit une figurine Arceus. D'accord, ok. Ouais, et bon courage si tu fais Zelda 1 et 2. Surtout le 2 qui est pas ouf, je trouve, mais le 1 sans la carte, il est compliqué. Hein. Alors Micronia te fait payer les jeux de 2 cases à prix du 9, donc ils peuvent te se mettre profond leurs figurines. On est d'accord, au centre culturel Leclerc, je peux l'avoir à 15€ moins cher. Entièrement d'accord, Ignel, mais à 100%. Ah oui, la pseudo-histoire, donc Skyward sur Wii. Ouais, Skyward en first. Skyward, c'est le premier, a priori. Zelda, Link to the Past, je l'ai enfin lancé. Il est trop bien, Link to the Past. Sympa le remake, j'ai trouvé dommage que tout le monde se plaigne de l'aspect cartoon joué des graphismes, alors que si y a bien un Zelda avec l'aspect sur lequel ça marche, c'est bien celui-là. Aussi, j'ai trouvé le remake très dur, mais c'est souvent parce que mon drift... à cause de ton drift, d'accord, merde. Link, arrêtez pas de se suicider dans chaque trou possible, merde. Ouais, je t'avoue que j'ai aussi un... Ah, attends, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey Link, il est sympa ce bâton que t'as là. Tu donnerais pas du miel si tu me le prends... Ouais, vas-y, tiens, prends le bâton. Cool, j'ai trouvé le bâton à qui il fallait donner. Ah, t'as enfin lancé Skyward Sword, d'accord. Bah écoute, Skyward Sword, moi je l'ai en original sur Wii, je l'ai toujours pas fait.
Je viens de voir qu'il y a un truc à exploser derrière avec des bombes. Bon, j'ai du miel. Ok, votre une ruche, vous demandez bien comment ça pourra vous servir. Oh bah génial, au moins on a trouvé un truc en plus. Et là, il y a une bombe à poser, j'avais pas vu. Vite! Cours! Ouais, trop bien, bâton, vas-y, c'est mon rêve. Tellement, Valik. Oh putain, Skyward Sword, de ce que j'ai compris... Ah bah attends, c'est une maison de fées. Ouais. De ce que j'ai compris avec Skyward Sword, il est pas forcément ultra ouf, mais enfin, ça reste un bon jeu de ce que j'ai compris, hein. Mais par rapport aux autres Zelda, il est vraiment pas ouf. Est-ce que ça me le note qu'ici c'est un truc de fée? Non, bah je vais le mettre moi-même. Hop là, voilà. Ça c'est fait. Bah on va repartir par là. Et on va aller voir, j'avais dit ici, la cabine téléphonique en fait. Ok. Oh la vache. Moi le seul truc que je lui reproche pour le moment au jeu, parce que je m'amuse bien, hein, je vais pas vous le cacher, je le trouve très bien pour le moment. Le remake là. Mais le seul truc que je lui reprocherais... Ah mais il y a encore une bombe là à mettre. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est les petits ralentissements qu'il y a de temps en temps. Mais sinon, moi ça m'a absolument pas gêné, Vessias, les graphismes. Hein. Moi ça m'a absolument pas gêné, hein. Tu n'es pas encore mort. Je crois pas que je sois mort encore pour le moment. Non. Ouh, attendez, là il y a un coffre. Et ça, je sais pas ce que c'est. Examinez. Oula, bah je vais me prendre un dégât. Oh, quel drôle d'objet. Peut-être que vous pouvez... Pouvez-vous le briser en fonçant dessus. Ah mais j'ai pas encore la technique pour foncer. J'ai pas encore la technique pour foncer. Et je pense qu'on peut pas déplacer ça. Hop, putain, on va essayer. Non, je peux pas déplacer les blocs, je pense. Mais fuck! Non. Bon, ici, il faudra revenir, il y a un coffre. Ok. Niveau gameplay, Skyward Sword, il est intéressant, mais bien trop épuisant quand tu as des problèmes musculaires et c'est mal configuré quand tu passes manette. Ah, merde! Donc là, il y a un coffre à récupérer. Hop là! Je le prends chez Micromania car j'ai 4 bons qui finissent fin du mois. De base, je voulais le garder pour le nouveau Dragon Quest, mais toujours pas de date. Sinon, dans mes jeux, c'est Super U. À côté de chez moi, il est très bien placé niveau tarif. Bah, de toute façon, Super U, ça appartient à Leclerc. Hein, donc, généralement, c'est vrai que les tarifs sont plutôt bons. T'as pas les bottes de Pégase pour les défoncer? Non, j'ai pas les bottes de Pégase. À mon avis, c'est dans le prochain donjon que je vais les récupérer. Parce que ça me bloque aussi pour continuer ici, les bottes de Pégase. Tu vois, ici, on en a besoin. Donc, je pense... qu'il faut que j'aille ici en fait, dans cette zone là. À mon avis, il faut que j'aille dans la zone là pour récupérer la clé qui me permettra d'aller à ce donjon là et de récupérer les bottes de Pégase. Il y a un truc comme ça. Ah, cœur. Donc clairement, ça prouve bien que je suis pas dans la bonne zone si je continue par la droite. Et ça me prouve bien aussi que je suis pas dans... Que c'est dans le prochain donjon, je pense, qu'on va me les donner. Mais je vais quand même aller voir là, ce truc là. C'est de là que je viens. Parce que les bottes de Pégase, ça me permettrait de foncer, et je sais que dans la ville aussi, tout au début, il y a une bibliothèque sur laquelle il faudrait que je fonce pour faire tomber un livre. Voilà. Tu n'as pas encore trouvé les 5 feuilles? Peut-être que le soldat caché dans la salle la plus reculée du château en a une sur lui. Les 5 feuilles? Je comprends, ce serait bête de passer à côté des bons... Ah bah oui, oui, clairement. Je vous laisse et je vous dis bonne soirée à la prochaine. Ça marche, mon Silke, merci d'être passé, des gros bisous à toi. Des bisous ok aussi. Je prends aussi Arceus en Micromania car le vendeur est très sexy. Alors ça c'est une autre raison, c'est une autre raison. Ok, il me reparle que des 5 feuilles là, je sais pas ce que c'est. Ok, bon bah on va essayer de descendre, hein. On va partir vers en bas là. Hein. Je vois que ça. Oh fuck. Voilà, petit cœur. Hop, voilà. Ok, allez, let's go. Ah mais je peux pas en fait. Je peux pas non plus descendre par là. Ou alors il aurait fallu que je descende par là. Nani de fuck. Attendez, je vais aller. Je crois pas que je sois allé devant le donjon. Je crois pas que je sois allé devant le donjon. Il y a peut-être le comment il s'appelle le hibou qui va me dire ah mais c'est par là. Parce que là, tout à l'heure, enfin, le dernier donjon que j'ai fait, il m'a dit... Ah, mais par là, en fait. Une serrure... serrure cyclope. Bah voilà, en fait, j'ai pu descendre, voilà. Et merci beaucoup, Balik. Ah bah non, merci beaucoup, Aïfas, pour le sub offert à Balik. Merci beaucoup, coucou, Maïfas, comment elle va? Comment elle va, ma poulette? J'adore tes badges d'abonnés, d'ailleurs. Merci, c'est gentil, merci beaucoup, Balik. Alors, comment tu trouves cela? Coucou mon Psycho Jace. Bah écoute, moi je surkiffe. Là on est un peu paumé, mais je surkiffe quand même. Franchement, je le trouve trop bien. Alors si je recule un petit peu, ce qu'il me dit... Ah, le chant.
Tout à l'heure, on parlait d'un champ. Je sais plus pourquoi, mais on parlait d'un champ tout à l'heure. Merci beaucoup, MyFaz. Oh merde, la vla elle. Bah oui, bah non, mais moi je suis content qu'elle soit là. Comment elle va, MyFaz? Ok, donc là, il y a une maison avec le champ des pièges. Je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, fuck. Je suis tombé comme une merde en désherbant, là. C'est quoi ça, alors, du coup? Villa de Richard. Ah, mais si, c'est là qu'on me disait d'aller. On me disait d'aller voir Richard. Je l'ai trouvé, Richard. Dans le champ, c'était ça, oui, bien sûr. Oula, c'est quoi, ça? Ok. Elle parle pas, elle sub direct, mais c'est tellement ça. Mais ouais, sinon, Psycho, moi je le surkiffe pour le moment, le jeu, le seul défaut que je lui trouve, c'est les petits ralentissements. Donc c'est, voilà. Tout le reste du jeu, l'ambiance, les graphismes, même comme il disait Vessias, il y en a plein qui ont dit, ouais, mais c'est pas ouf, parce qu'il y a cet effet plastique et tout. Moi, ça me gêne absolument pas. Vraiment, dans le jeu, quand il joue, je trouve que c'est moins présent que quand on regardait les trailers. Vraiment, hein. T'en as combien d'abos offerts ce mois-ci, toi? Tu vas te ruiner. Non, ce mois-ci, elle est calme. Ce mois-ci, elle est calme, je t'avoue, Ignal. Comment elle va, la plus belle modératrice? Coucouline, comment tu vas? Mon Zelda chouchou, mon premier et seul que j'ai fini. Ah ouais, c'est le seul que t'as fait? Bah franchement, il est trop bien. Coucou. Bien le bonjour, cela peut sembler incroyable, mais avant je vivais au château. Cependant, j'ai dû m'enfuir quand mes gardes ont été ensorcelés. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien écouter ma requête? Il y a une belle récompense à la clé. Quand je me suis enfui, j'ai laissé mes feuilles d'or au château. Pourrais-tu me les ramener, mon cher ami? Je m'en occupe. Okay. Fantastique, il y a 5 feuilles en tout. C'est ce qu'il disait Pépé Ramolo. Ok. Ah, et pense à acheter une pelle avant de revenir me voir, je compte sur toi. Bah j'ai une pelle, c'est bon, j'ai une pelle. Est-ce qu'il faut les 5 feuilles dans tous les cas? Non, je n'ai pas peur, mais je préfère t'attendre ici. À plus tard. Ok, bon. Faudra que je revienne quand j'ai récupéré les 5 feuilles. Donc pour le moment, ça sert à rien. Ah, attendez, il y avait un... Et c'est la chute. Merci, Malik. Merci beaucoup pour le clip. Au secours. Attends, le 7 sœurs, le mois est pas fini. Ouais, mais bon, c'est bon. Elle va peut-être pas, non plus balancer 1 milliard de subs tous les mois. Faut savoir qu'Aïfaz, elle est déjà à 245 subs d'offert. On va peut-être se calmer. Sur la chaîne, hein, je parle. Mon petit cœur d'amour, je t'avais pas vu arriver, ma douce et belle. Oh, c'est mignon. J'avais kiffé ce jeu, je l'ai fait en moins d'une semaine. Ah bah, en même temps, il est pas très long de ce que j'ai compris, Lynn. Il est pas très long par rapport aux autres Zelda, mais pour le moment, je m'éclate. Et j'espère que vous, de me voir me faire défoncer, ça vous éclate. Alors qu'est-ce qui se dit là? Château, ok, 10 minutes, très bien. Je regarde, juste rapidos. Il y a un quart de cœur. Il y a un quart de cœur ici, faut que je le note. Vite, là, quart de cœur. Tac. Fun fact, ne meurs pas une seule fois en jeu et une surprise, le jeu te fera. Bah je suis déjà mort dans les donjons, donc ça compte aussi j'imagine. Je suis pas mort hors des donjons, mais je suis mort dans les donjons. Donc je pense que c'est déjà mort, hein. Je vous laisse faire le calcul, donc combien cela représente 245 subs offerts. Trop. Beaucoup trop. C'est une grande malade. Je vous ai dit, en fait, c'est elle la patronne, hein. C'est pas moi le... C'est elle la patronne, hein. Elle détient 99% des parts de la chaîne. Si t'es mort dans les donjons, c'est mort. Bon bah voilà. Rip Ignel. Du coup, tu peux me dire ce que c'était? Est-ce que tu peux me dire ce que c'était le truc? Saviez-vous, tu peux voler les objets dans le magasin? Oui, je sais que tu peux les voler, mais dans les autres Zelda aussi. Hop. Bon bah écoutez, ici il faudra que je revienne. Mais maintenant que j'ai plus le chien, comment je vais savoir où elles sont les... Ah mais par là je peux pas continuer en fait. Comment j'y vais ici? Comment j'y vais là? Parce que par là, je peux pas passer non plus. Là, il y a le prochain donjon, c'est quasi sûr. Peut-être par en bas, là. Ah, là, attendez, j'ai l'impression qu'il y a des escaliers. J'ai l'impression qu'il y a des escaliers, là. Par là. Je sais pas.
Putain, je sais pas, je suis Keblo, hein. Y'a pas un passage plus en bas, là? Attendez, là, y'a le coffre. On peut remonter là pour arriver là, donc c'est pas ça. Peut-être près de l'autre donjon. Il est pas évident, hein, pour trouver où aller, hein. Ah, mais attendez, y'a quelque chose, là. Ah, mais je peux pas passer, là. C'est pareil. Ah, fuck! Peut-être en grugeant la hitbox. Non? Non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Et lui, il veut pas me... Y'a pas un mini-jeu pour creuser ou je sais pas quoi? Cette zone ne s'atteint qu'avec le synchro-5 rapinou. Ah! Donc c'est pas du tout par là que je dois aller. Ah! Donc je suis encore plus Keblo. J'ai faim. je n'ai pas fait le remake. Oui, tu peux. Je peux. Ça va faire ça un week-end. Ok. Ah, si un truc qui m'avait déçu dans le remake, c'est l'absence des photos. Je me rappelle plus trop comment, mais dans la version DX, il y avait un PNJ qui prenait des photos. Je sais plus comment. Est-ce que ça. Ce à quoi ça servait. Mais bref, c'est marrant. Ça y est plus dans le remake. D'accord. Je ne peux pas te le dire car ce serait spoiler le jeu. D'accord, Ignel, ça marche. Mort de rire, Tine. Pour les joueurs comme moi, juste comme moi, c'est un miracle, Iniel, à chaque fois que le petit dormait, je me mettais dessus. Bah ouais, il est trop trop bien. Bien sûr que si, dans la version DX, tu pouvais faire quelques glitches aussi, ah bah j'imagine. Où tu en es concrètement, que je vois si je peux aider. Alors concrètement, j'ai fini le deuxième donjon, en gros, voilà, j'ai récupéré, tu vois, le deuxième, voilà, ici. Le conque de l'écume, et on m'a dit que maintenant, en fait, si tu regardes... attends, je vais te montrer. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Voilà, c'est ça que je gardais. Si tu regardes, en fait, dans les souvenirs, voilà, il me dit là, conque de l'écume, prairie, la prairie t'attend. Donc, la prairie, hop là, elle est là, hein, je dézoome juste pour vous montrer. La prairie, elle est là, par contre, c'est con parce que les zones sont pas très bien délimitées, j'ai l'impression. Donc là, il y a la prairie. Le donjon, je le vois, il est là. C'est le donjon de Cyclope, il est ici. Mais il me faut trouver la clé, voilà. Par contre, la clé, je sais pas où elle est. Je sais juste pas où elle est, en fait. Dans la version DX, tu pouvais faire des quelques glitches. Ok, cœur sur toi, Tin. Hop. Plus en bas, c'est ton pantalon. donc voilà. Je crois que le papy t'avait déjà donné la solution au téléphone tout à l'heure. Tu as eu deux messages différents. Essaye de ne pas trop backciter. Oui, non, j'essaie de pas. C'est très gentil, Balik. Oh, Logi, comment il va, mon poteau? Retourne au village, je crois. Au village? Ah, tu l'as déjà fait, celui-là, Logi? Tu vas bien, mon poteau? Donc pour le donjon 3, faut d'abord trouver la clé, mais alors, elle est où? Je cherche. Ouais, c'est ça. Ouais, Pépé Ramolo donne de bons conseils, en fait. Il t'aiguille. Ouais, c'est ce que j'avais compris, mais quand là, tu vois, là, j'ai un truc de Pépé Ramolo, là. Juste au-dessus, là. Il y en a une où? Voilà, ici. Et il me parle pas de ça, je crois. Je vais essayer de retourner, hein, mais... Ça va bien? Ah, là, je suis dans la prairie, ok. Donc là, je suis au bon endroit. Hop! Le gros backseater, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je m'étais arrêté devant sa cabane, là. Qu'est-ce qui s'est écrit? Cabine téléphonique, voilà. Hop! Ah merde, j'ai été trop vite, Attends, qu'est-ce qu'il dit? Clic. Les feuilles, ok, les bombes, les endroits suspects, d'accord. Merde. On me reparle que des feuilles, faut que je ressorte. Je ressorte et je rentre, et je pense qu'il va me dire. Ça va, vous avez fini de parler en je sais pas quoi là. Soit en allemand, soit en suédois, je ne sais pas. Non, il me parle plus que des feuilles, putain. Bah. Ah, mais en fait, si, ok. En fait, Pépé, néerlandais, ouais, c'est ça.
Si, si, en fait, Pépé Ramolo, il m'avait dit d'aller voir, je me rappelle maintenant, il m'avait dit d'aller voir lui. Et lui, il me demande de récupérer ses feuilles qui sont au château. Donc, je veux bien aller au château, mais aller au château maintenant, ça me paraît un peu compliqué, non? Enfin, ça me paraît un peu violent, quand même, d'aller au château tout de suite. Bazar du centre. Attendez, je vais retourner à... Je vais retourner à... Au village. Il est juste à côté. Hop là. Ok. Et coucou. Oh putain, vos pseudos, je vous jure. Comment il va, Paishin? J'émerge 3 heures après les raids, mais pas de soucis. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, Paishin. Et merci beaucoup pour le follow. Merci, mon pote. Ou ma pote, je sais pas, avec vos pseudos, je sais jamais. C'est une connerie, le village, hein. Ouais, mais peut-être qu'au village, je peux aller voir Pepe Ramolo de nouveau et qu'il va me dire autre chose. J'ai l'impression qu'il dit pas la même chose en fonction des, tu vois, des maisons. Bah, j'en sais rien, et oui, moi je te fais confiance, là, comme un frère, et toi, voilà. Voilà, tu me torpilles, en fait. Bienvenue à toi. Alors, pour te faire un petit résumé rapide de la chaîne Paishin, nous, on fait principalement du jeu rétro, du jeu indé, des lives musicaux, un petit peu de tout, hein. Un petit peu, enfin un petit peu tout, non, rétro, indé et live musicaux principalement, mais on fait aussi de temps en temps des petites soirées différentes, dont du Mario Party, du Mario Kart, là tu vois c'est un remake d'un Zelda sorti sur Game Boy à la base. Oh, il me parle des feuilles aussi, ok, il me parle des feuilles aussi, fuck. On est dans Zelda 7, ouais ouais je sais, bah oui. Putain, le Hoggy qui me torpille. La vie est compliquée parfois, tu sais, ce sont les moments douloureux à passer. Ah, c'est 7 bis. Comment ça? Ah oui, c'est 7 bis, lol, d'accord. Un autre Cédric. Oh, finaise. Faut qu'on se renomme Petit Girly, insérez votre département dans au pays ici. Ça fonctionne avec T-Boy aussi. Ouais, non, tellement, tellement, Balik. Et merci pour le point d'exclamation Discord, IFS. Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Vous avez la possibilité de faire des propositions de jeux, enfin des suggestions de jeux, des suggestions de musique à reprendre aussi. Voilà. Et puis c'est là-dessus, de toute façon, que vous aurez toutes les infos quand je pars en live. Vous avez la possibilité. Voilà, on discute, on rigole. Voilà, c'est l'extension du chat. En même temps, dans le chat, on t'a dit où aller. Au château, ouais, mais tu vois, ça me paraissait bizarre. D'ailleurs, on devait pas se voir cette semaine, Oggy. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller au château alors. Hein. Même si ça me paraît chelou. Hein. On va aller au château. Le monde est petit, n'empêche, vous êtes là. Vous êtes là, vous, Lynn, Haïfaz. Bah bien sûr, question là. Bah Haïfaz, c'est ma modératrice, donc oui. Dans tous les cas, Lynn, ça fait aussi un moment maintenant qu'on se connaît, le Hoggy Crêpe aussi. De toute façon, tous ceux qui sont plus ou moins dans le même délire au niveau des jeux, au niveau des trucs comme ça, voilà, on se connaît. Et le pire, c'est Hoggy Crêpe, où on habite à 20 bornes l'un de l'autre, et on s'est toujours pas vu. Putain, je pensais que t'allais... Je pensais pas que t'allais me le rappeler. Bah, tu crois que j'oublie ou quoi? Et merci, mon bébé! Belle esquive! Merci, mon bébé, pour les 34 bits! Oui! Bah oui! Putain, je pensais pas que t'allais me le rappeler. Pourquoi? Si tu veux pas qu'on se voit, tu le dis tout de suite, hein, mon Hoggy, hein. Coucou le Sion, comment il va? Il va bien mon poteau? Quelle indignité, mais tellement! À nos âges, on oublie vite, mort de rire! Mort de rire. Ah, tu stream aussi, Paishin? Je savais même pas. Alors, réfléchissons. Bon, on va aller au château si ça peut vous faire plaisir. On va aller au château, hein, tant pis. Hein. Même si je trouve ça extrêmement bizarre. Quoique, ça continue sur la prairie, en fait, le château. Vas-y, je vais y aller, hein, mais je sens que je vais me faire défoncer. Hein. Je sens que je vais me faire déglinguer au château. Hein. Putain, comment il me snob? Mais attends, non, je snob pas, je regarde... Eh, le chat, il va vite, mon pote. Hein. En fait, Seth écoute jamais, et après, il se plaint. Mais non, mais je sais pas, ça... Pour moi, le château dans les Zelda... Et GG pour les level up, GG, donc AVCS qui passe level 28 et Yun qui passe level 37, GG à vous. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que le château, mon pote...
Dans les Zelda, normalement, c'est la fin, quoi. C'est là où tu vas tout en dernier, tu vois. Yes, streamer du fond de mon salon. D'accord. Hop, punaise, j'ai failli tomber. C'est pour ça que je dis que je trouve ça bizarre. Donc moi, je veux bien y aller, si tu veux, mais... je trouve ça extrêmement bizarre. Hop là, dégage. Bon, c'est quand même un des endroits où soit tu... Dans Link, c'est vrai que dans Link, Link to the Past... Tu vas assez vite, mais pour moi, dans ma tête, le château, c'est le truc de fin. Voilà. Donc là, j'y suis. Ok. Donc là, je peux pas rentrer, techniquement. Oh, au fond, là, il y a un cœur. Il y a un cœur. Là, juste là, je vais le noter. Je viens de le voir. Là. Vous voyez, dans l'eau. Donc là, je pourrais pas y aller. Je peux pas rentrer par là, ce qui est logique. Mais j'ai les singes qui m'ont créé un pont tout à l'heure. Monte voir ton inventaire. Et... Voilà. Voilà mon inventaire, mon Oggy. Tellement beau ce jeu, n'empêche, je l'avais joué à l'époque sur Game Boy Color. Ouais, moi, je l'ai jamais fait, donc du coup, je découvre. Et coucou, mon Sebi. Je crois que Sebi vient d'arriver, si je dis pas de conneries. En tout cas, elle dit coucou, monsieur Café. Donc, à moins que j'ai loupé les messages. Où est-ce qu'il a dit coucou? Ah, il est là. Coucou, mon Sebi. Comment tu vas, mon poteau? Ouais, c'est un endroit comme un autre, mais pour le coup, je t'avoue que moi, pour moi, dans ma tête, c'est le dernier endroit où tu vas, quoi. Et du coup, tu fais quoi en live, Paishin? Tu fais quoi de beau en live, d'habitude? Même pas vrai, dans Link to the Past, c'est le premier endroit... Oui, bah voilà, c'est ce que je dis, sauf Link to the Past. Ah, tu comptes jouer au remake? Bah oui, j'ai le pont, bien sûr. Je l'ai fait, mais j'y suis pas allé, j'ai pas continué, parce que je me suis dit... Ah bah attends, je vais pas rentrer dans le directement dans le château maintenant. Ça va, merci à vous. Bah écoute, ça va, tranquille, tu vois, on avance. Ouais, mais on va jamais avancer. Bon, allez, on y va. Bon, vas-y, on m'a dit château, je vais au château, vas-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le château? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah dans Breath of the Wild aussi, tu peux y aller direct. Putain, mais comment vous jouez sur les trucs? Vous jouez tellement sur les mots. Allez, je vais voir, juste regarder là. Clic, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, les feuilles, ok. Ok, bah les bombes, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Enfin, non, j'en ai que deux. J'aurais peut-être dû aller en acheter, j'espère que j'aurai pas besoin de trop de bombes, parce que j'en ai que deux. Hein. Hop. Parce que ça, c'est le premier truc que j'ai fait tout à l'heure. En vrai, il faudrait que j'y aille, même si... je pense qu'il faut que j'arrête de me dire, ouais mais non, faut pas que j'aille par là, naninina. Il y a tellement de choses qui changent. Il y a tellement de choses qui changent dans par rapport aux autres Zelda, dans celui-là. Il faudrait peut-être mieux... il faudrait peut-être mieux, en fait, que j'avance, quitte à me faire tuer, tant pis. Non, ils m'ont ajouté 2 jours, je suis en congé le 17 en fait. Ah, ok, cool. Justement, je vais bientôt l'avancer, le rattraper, bien sûr. Du World of Warcraft, un peu de Pokémon, du Fortnite, du Fall Guy, du Forza, du Horizon 5, un paquet de jeux. Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Est-ce que je vois Paishin? Tu fais beaucoup de trucs, hein. Bah, je passerai jeter un coup d'œil du coup. Cherche pas cette sphère, cherche des excuses pour son skill et sa logique médiocre. Non, ma logique est basée sur les anciens Zelda que j'ai pu faire et à chaque fois, c'était le château quasi en dernier. Ouais, tu vas après le premier donjon, Vessias, mais tu restes pas, tu vois. Non, mais ça pousse dans l'herbe, les bombes normales, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, let's go. Non, mais je vais me faire défoncer, là. Je vais me faire défoncer par les... Oh non, ils sont pas si forts que ça, en fait. Bon, du coup, Oggy, on se voit ou on se voit pas cette semaine? Allez, viens là. Boum. Et boum, une des feuilles. Trop bien. Une des feuilles d'or. En vrai, ouais, je devrais essayer. En fait, faut que j'arrête de réfléchir à... En fait, faut que j'arrête de penser à la logique des anciens Zelda. Il faut que je me dise que chaque Zelda peut être différent. Surtout que celui-là, ça a été fait par une autre équipe. Donc, je peux me... En plus, tu peux sauter. Donc, faut vraiment que je pense à ça. Mais oui, Fly. Mais encore une fois, je suis désolé. Pour moi, ça... Ça ressemble à l'entrée d'un donjon, ça ressemble pas à une hutte de sorcière. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, il faut que j'arrête, il faut que j'avance, quitte à me faire tuer et à me dire, bah c'est pas par là. Demain après-midi, tu veux passer demain après-midi, j'ai un live à 17h, moi, demain, Oggy. Ça va être compliqué demain après-midi, ouais.
T'es encore sur la maison de la sorcière. Mais non, mais c'est eux qui me rappellent. C'est eux qui me rappellent ça. Pour moi, ça ressemblait à une entrée de donjon, mon pote. Hein. Bon, bah, du coup, je suis arrivé. Voilà, là, il y a le château. Genre, je peux pas ouvrir maintenant le château ici. Je peux passer plus rapidement. Bon, bah, on va voir si je loupe rien. Oh putain. Oh, les deux d'un coup. Après, ça dépend quelle heure, mais il faut que je sois rentré à... Faut que je sois rentré avant 17, quoi. C'est ça le truc, mon Guy. Ça tombe bien, je suis dispo jusqu'à 16h seulement. Ah bah. À la limite, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire, mon Guy. Je te confirme ça ce soir. Je te confirme ça ce soir, si tu veux. Tu me dis juste à quelle heure. Ah, sauf si tu veux pas qu'on se voit, hein, mon pote. Hein. Enfin. Meurs, voilà. Cœur. Ok, donc ici ça va, je peux rentrer dans le château maintenant, je pense. Non, parce que c'est honteux d'habiter à 20 bornes l'un de l'autre et de jamais se voir, quoi. Oh putain! Mais bordel, t'arrêtes avec ça. Non, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris, Oggy, hein. J'ai bien compris que tu m'en voulais pour quelque chose et que tu n'oses pas le dire. Ça, j'ai compris, y'a pas de problème. Non, mais je rigole, je te taquine. C'est pas comme si ça faisait des mois et des mois qu'on se connaissait, qu'on habite à 20 bornes et qu'on s'est toujours pas vu. Non mais voilà. À un moment, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a Anguille sous roche, il y a Baleine sous gravier. Mais qu'il est con. Oh putain. Ah attendez, ceux-là, si je m'en... Ah mais attends, on va essayer mais... Voilà. Merci. Je dis merci à Sion Senpai. Je dis merci à Sion Senpai, là. Pourquoi? Parce que ces mobs-là de A Link to the Past, je n'arrivais pas à les tuer, et ils me prenaient la tête et il m'a dit « Tu veux avoir une technique pour récupérer des fées facilement ?» Et boum! Il m'a dit d'utiliser la poudre magique dessus et ça marche aussi dans celui-là, et ça c'est beau. Oula. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Et encore une fois, ok, une feuille d'or, parfait. Oh la vache. Attendez, je relis juste rapidos le chat. Hop. Bon, place au repas. Bon appétit, Lynn. Encore sur la maison de la sorcière. Oui, celui-là, en fait, est un peu Super Zelda Bros slash logique. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça que je me foire un petit peu, tu vois, aussi. Parce que des fois, la logique est pas la même que dans les anciens. Mais, du coup, ce qui est bien, c'est des paysans. C'est bien. Breath of the Wild aussi, tu peux sauter, je vois pas le rapport. Oui, mais Breath of the Wild, c'est un tout nouveau, mec. Là, on parle d'un jeu quand même ancien, où dans les Zelda, tu pouvais pas sauter de toi-même. Hein. Je passerai pas demain, je crois, j'ai un rendez-vous avec mon chien. Oui, pas de soucis, Romut, pas de soucis. Pas de problème. Propose-lui un McDo, il dira oui plus facilement. C'est petit ça. En plus, il y a juste en face, il y en a un juste en face de chez moi. Mais carrément, ça marche sur tout la poudre magique. Ah, clairement, ce Zelda est super, par contre. Ouais, non, franchement, pour le moment, je m'éclate. Je suis désolé de mon skill, hein, on est d'accord, hein, c'est pas nouveau, hein, on le sait que mon skill, il est pété. Hein, on va pas continuer là-dessus, hein, on va arrêter maintenant. Voilà, et du coup, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En vrai, il faudrait que je m'écoute un peu plus. Il faudrait que j'arrête de me dire, ouais, mais par là, si ça se trouve, je peux pas y aller. Faut que j'essaye. Il faut que j'essaye. Ah, à coup, j'ouvre les portes. Il faut que j'essaye, quitte à me planter. Voilà. Comment il va, mon bébé? Révolte des paysans. Comment il va, mon bébé? Allez, moi, je file. Envoie-moi un message ce soir. Pas de soucis, moi, Guy, je t'envoie ça. Des gros zoubis, mon poteau. Logique, Link sauve le monde, mais il peut pas sauter. Mais grâce à la plume, il peut. C'est super joli ici, hein. Je file car j'ai besoin d'ouvrir mon OBS, il rame et si je reste sur Twitch, bisous bisous, pas de soucis Capability, des zoubis à toi. Oh putain, il faut des bombes. Ah, dégage. J'en ai plus que deux, je crois. J'en ai plus qu'une, c'est encore pire. Je vais pas pouvoir... Oh fuck. Faut que j'aille en acheter. Oh merde, il y avait juste un mob, c'est génial. Et je pense qu'il m'en faut... Ah, j'ai eu du bol. Si ça se trouve, dans l'autre, il y en avait aussi un mais il donnait pas une feuille. Bon, on va quand même continuer, puis on reviendra, si jamais... Ah, et là, par contre... Là, par contre, c'est en vue où ça switch entre les différents plateaux. D'accord.
La cape sur Minish Cap aussi permis de sauter. Ouais, mais bon, justement. Je me demande si c'est pas la même équipe qui a fait les deux. En fait, t'as juste envie de me faire chier, Sion, c'est ça? T'as juste envie de me faire chier pour me dire qu'en fait, ce que je dis, c'est de la merde. Non, mais j'ai bien compris, hein. Il roule. Ah, t'es sur la route, mon pote. Ah, des bombes! Mais elle restait bloquée en haut! Non, récupère-la. Oui! Oh putain. C'est ça, mort derrière. Ouais, non, on est d'accord, on est d'accord. Bon, j'ai récupéré une bombe. Ah, il y a un cœur aussi. Non, le cœur, si je l'ai eu. Mais qu'est-ce qui, pourquoi il veut pas? Il y a un pot sur la. Il y a juste un pot sur le. Ah, mais j'ai bien vu la porte. J'ai bien vu la porte. Il faut jeter les pots dessus, mais je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Minish Cap, c'est la même équipe que Oracle, je pense. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Ah, bah par contre. Attendez, j'ai juste vérifié un truc. Est-ce que ça fait rip-hop des bombes? Oui! Oh, je suis désolé les gars, mais on va faire des allers-retours juste pour récupérer des bombes. Hein. Pour être à peu près tranquille. Hein. Je peux juste écouter sans regarder, faut bien que je troll. Ouais, j'avoue. Les bombes! Merci. Et GG et Jin qui passe level 27 et Oggy Crab qui passe level 23. GG les copains. Allez, il faut que je récupère un maximum de bombes, là j'en ai 3. Ça va être long hein, si c'est une à chaque fois, mais on... allez, au moins 4. Hop, je vais revenir en arrière, je vais aller exploser l'autre truc que j'ai pas pu. Je vais interroger le Wikipédia international, what the fuck. GG pour les level up les copains. Hop là. Je vais juste aller exploser maintenant que j'ai récupéré des bombes. Ok, il y a un mob un peu casse-couille là en bas. On va voir si ça a nécessité de le faire ou pas, mais dans le doute, ce coup-ci je fais. Ah bah c'était juste pas, ok. Donc j'ai eu un coup de chat avant, j'ai eu un coup de chance avant, ok. C'était juste un coup de chance. Il y a un Wikipédia pas international. Hey yo le Fab Deluxe, comment il va? Comment ça va copain? Hop là. Il va bien celui-ci. Voilà, on récupère une petite bombe. Hop. Ok blo. Voilà, une petite en plus. Je sais plus combien il y en avait. Là j'en ai 4, c'est ça? C'est la quatrième que je récupère ça? Il y en avait 5 je crois, non? Je sais plus. Il y en a 4 ou 5 à récupérer. Vous pouvez me le rappeler, j'ai déjà oublié. Attendez. Normalement, j'ai pas besoin de vous demander. Richard, il me le dit là. Cependant, j'ai dû m'enfuir. Ok, dis-moi. Hein. Il y a une. Ok. Mes feuilles d'orangeato, pourrais-tu me les ramener, mon cher ami? Ah, il me dit pas combien. 6? Non, Sion, tu dis nimp. T'en sais rien, t'as pas fait le jeu. Ouais, c'est ça. Oui, ce sont bien Minish Cap, Oracle of Season et Oracle of Ages sont développés par Capcom, on est d'accord. Ça va et vous? Bah écoute, moi ça va mon Fab. Ça va très bien. Ouais, il me semble que c'est ce que Pépé il disait, hein. Il disait 5, hein. Donc il m'en manque une. Non, je déconne, il y en a 8, mais tais-toi, Sion! Il dit n'importe quoi, putain. Ah, peut-être dehors si je bats le mob là, celui qui sort du sol, il m'en donne une. Oh vas-y, ils sont relous. Vas-y, tape Johnny, tape. Voilà. Peut-être que si lui je le bats. Aïe. Je pense que si je bats lui, il me donne la dernière. Par contre, faut falloir réussir à y aller. Ok. Ah, il a pas l'air simple là. Ok. Ok. Wow.
Oh fuck, oui, c'était ça. Et boum, la dernière. Je le savais. Non, je déconne, il y en a 8, il y en a 3 secrètes qui débloquent une arme secrète. Imagine, imagine. Voilà, et il me dit que je peux retourner voir Richard pour me donner la récompense promise. Voilà, voilà. Et il m'a dit aussi de revenir avec une pelle, ça je l'ai déjà. Ça je l'ai déjà. Et donc si j'avais pas fait la quête, la fameuse quête où fallait récupérer les objets, j'aurais pas pu venir au château en fait. Hein. J'aurais pas pu le faire tout ça. Hein. Donc j'ai bien fait de me focaliser un petit peu là-dessus aussi. Hein. Il était où déjà le copain? Il est là, ah, il est là en bas, ok. Donc faut repartir par là-haut. J'adore cette musique. Moi je suis mélomane, hein. Je suis mélomane à fond. Moi. Casse-toi. Et sinon Richard, il peut pas se bouger les fesses, mais tellement. Oh la vache. Petit cœur. On trouve quand même relativement souvent des cœurs, hein, je trouve, hein, dans le jeu. Hein. Il a, à ce niveau-là, il est plus simple, je trouve que... il est plus simple que les autres Zelda. Regardez là comment j'en ai trouvé. Je trouve que le rate pour faire pop ce genre de truc... Oh putain, là il y a beaucoup d'herbe, ça rame du cul. Hein. Oh la vache. Là ça rame du cul, hein, avec toute l'herbe. Hein. En fait j'ai l'impression que ça rame du cul quand tu changes de zone. Ah il fasse quoi. Tiens. Cher ami, tu as retrouvé toutes mes feuilles, fort bien. Déplace cette statue de grenouille, une surprise t'attend. Bah let's go, hein. Oh. Et là on passe en 2D mode Mario, non? Ah non. Ok. Coffre. Tu sens qu'ils ont prévu le coup en fait, s'ils mettent un truc comme ça devant, ça veut dire qu'ils ont prévu le coup que tu puisses déjà aller au château de base récupérer les feuilles avant même de récupérer en fait le bracelet de force. Hein. C'est tout! Un coquillage! Ok, super, j'ai récupéré un coquillage. J'espère qu'il y a autre chose, hein. J'espère qu'il y a autre chose, en vrai. Hein. Putain, au secours. Ah, il y a encore d'autres choses, j'ai eu peur. Je regarde sur les murs s'il n'y a pas de bombe à mettre. Là, je vois pas, j'en vois pas. Ok. Oh, merde. Ok, tout va bien. Ah! Ah putain! Le champ des pièges, je comprends mieux! Alors déjà, je sais qu'il y a un cœur ici à récupérer. On va aller récupérer le cœur. Il est tout en haut. Ah ouais, mais. Mais attendez! Non! Déjà, ils sont pas salauds. On aurait pu recommencer au début, mais apparemment, ils te font pas recommencer au début quand tu tombes, c'est déjà bien. Ils auraient pu être plus salauds que ça, en vrai. Non! Ah mais attendez, un saut aussi loin ça marche ou pas? Oh, ah, ça aurait dû. Attends, je me mets là bien. Oui, je suis passé. Let's go. Oh, allez, ça c'est fait. Ah, il est enfin arrivé à ma bagnole. Bien joué mon pote. Non mais... Ah, oh non, et dites-moi pas que je vais être bloqué là. Non, saute. Mais... Je suis pas sûr que j'aurais dû le faire en fait. Hein. Je suis pas sûr que j'aurais dû, hein, je vais crever. Attendez, je vais sauvegarder. Même si je sauvegarde. Bon, après, si je meurs, après, c'est pas grave. Si je meurs, il va me renvoyer ailleurs. Allez. Ah, c'est passé, c'est passé. Ok. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Ah, des cœurs, c'est bien. Sous tes pieds dort un secret. D'accord. Bon, on va ressortir par là. Dites-moi que j'ai pas juste fait ça dans le vent. Hein. Genre, oh putain! Mais c'est pas possible! Dites-moi que j'ai pas fait ça dans le vent, genre c'était juste pour récupérer un coquillage hein, et un quart de cœur. Hein. Là j'ai le seum hein. Pourquoi il m'aurait dit de... Ah mais attends, ça veut dire qu'il va falloir que je creuse. Peut-être. Faut que je creuse avec la pelle.
la vache. Oh la vache. Ok. Ok, et... Et en plus ça re... en plus ça respawn. En plus ça respawn. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Sous tes pieds se trouve un secret, mais j'y suis allé. La pelle, tu t'en sers jamais. Mais si, justement, la, je me disais qu'avec la, c'est peut-être avec la pelle, tu vois. Mais je me demande où, en fait. Y a pas d'indication pour la pelle. Ah, putain. C'est, ah, enfin, j'ai posé une bombe. Secours. Je fais n'importe quoi, la panique. Ouais, j'ai enlevé les bombes. Hop là. Bunker. Est-ce que ça enlève aussi les plantes? Non, faut que je tape pour enlever les plantes. Et merci pour le lurk, Linferi, merci beaucoup, désolé d'être en lurk, je continue tant que bébé dehors, vu que je démarre. Pas de soucis! Non, non, mais pas de problème, Lynn, t'inquiète pas. Sous tes pieds. Oui, donc il faut prendre... C'est ce que je dis, il faut que j'utilise la pelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'utilise la pelle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut que creuser... Ouais, voilà, dans les endroits où il y a de l'herbe. Ok, dans les endroits où il y a de l'herbe. Je peux creuser uniquement. On peut pas là où il y avait une plante, genre. Donc là-bas... Oh fuck! Attendez. Under your feet. Bah quoi? Il a dit sous tes pieds. Essaye devant le hibou. Ah, juste devant le hibou direct. Ouais, ok. Oui. Ouais, moi je pensais... Tu vois, j'ai cherché trop loin encore. J'ai cherché beaucoup trop loin encore, en fait. Bah voilà! J'ai cherché trop loin, je me suis dit, il y a un grand champ énorme comme ça, ils ont dû planquer quelque chose dans ce grand champ énorme, en fait. Je vais te chipper cette... Mais ça va, Iface, mais calmez-vous! J'avais déjà compris qu'il fallait utiliser la... Qu'il fallait utiliser la pelle, c'est bon. Quand je dis que cette sphère écoute jamais rien. Mais non, mais c'est pas ça! Mais je me suis dit, il y a un grand champ énorme. Il rend tout compliqué. Mais c'est ça, en fait. Hein. En vrai, c'est ça. Hein. C'est tellement ça, mon pote. C'est pour ça que je me suis dit, bah, ouais, ok. Il y a un grand champ. Ils ont forcément dû mettre quelque chose. De planquer dans le grand champ, en vrai. Voilà, bon, on va... Du coup, on peut aller au truc. C'est un jeu pour enfants, là-bas. Ouais, bah, je cherche toujours trop loin, quand même. Bon bah voilà, on peut aller au nouveau donjon. En vrai c'est vrai que je devrais pas chercher aussi loin. Des fois on te dit des trucs évidents et puis moi je me dis c'est trop évident en fait pour que ce soit ça. Non mais des fois si on vraiment, en fait je pense que... Et je pense vraiment en fait que je me dis c'est trop simple, c'est pas possible que ce soit ça, c'est beaucoup trop simple tu vois. Comme le château, c'était trop évident, je me suis dit c'est pas ça, c'est pas possible. Alors qu'en fait si. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils veulent... Enfin, dans les jeux, ils essaient de compliquer un peu le truc, mais pas dans Zelda. Hein. Allez go. Faut que je passe par où là du coup? Là faut que je fasse le tour, faut que je fasse tout le tour là non? Ah quoique non j'aurais pu... Non mais non, je me suis fait chier pour rien putain. Je me suis fait chier pour rien de nouveau, j'aurais pu remonter par là et arriver direct là, mais putain je me dégoûte. La prochaine fois, essaye de twerker trois fois vers la gauche en lançant une plume et en te tape... en te tapant quatre monstres. Franchement, je suis sûr que ça débloque un truc. Ah, oh, je me dégoûte. Au secours. Non mais vraiment, je me complique trop parce que je pense que le jeu me troll en vrai. Alors que c'est juste Sion qui me troll, hein. Tu comprends maintenant pourquoi les jeux de 3 heures durent 10 lives? Oh, ça va! Hein, vous avez fini de vous moquer, oui? Attention, hein! Il y avait quelque chose là, je sais plus, non. Attends, je vais quand même partir sur la logique de Sion. Attendez, je vais partir sur la logique de Sion. Voilà. Là, hop. Il y a peut-être un truc où il faut que je creuse, attendez.
Ah là, un coquillage. Logique de Sion. Voilà, logique de Sion, il y a un coquillage, c'est ça. On est d'accord. Voilà, j'ai réécouté, tu vois. J'ai essayé de me rappeler, Sion, ce que tu me disais à chaque fois dans Link to the Past. Et voilà, tu vois. Bon. Soulever. Ça, c'est fait. Logique Zelda, passion. Ouais, non, mais logique de Sion, parce que tu me faisais toujours la réflexion. Tu me faisais toujours la réflexion, mon pote. Ouais, mais pourquoi tu prends pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? C'est logique, regarde, c'est évident. Ah, donc, du coup, voilà. Voilà. Oula, ok, on me repousse. Ça, ce sera pour la fin, ça. Je pense pas que je puisse y aller comme ça. Non, c'est mort. Okay. Oh, et puis ça vous fait tellement marrer de me voir faire n'importe quoi, en vrai. Alors, attendez, parce que là... Oh la vache. Ok. Oh la vache. Ok. Coffre. Bah oui, quand c'est évident, faut y aller. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai dû jouer à trop de jeux qui me trollaient avec des trucs trop évidents. Et je pense que voilà, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé, je pense. Faut bien que ce soit représenté dans ce monde de brutes. Bah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai cru lire plus haut que tu avais mangé un fondant au chocolat, toi. Ah, ça, je peux pas. Peut-être... Ouais, mais il faut que je fonce dedans, donc je peux pas. Ok. Oh merde, il y a les mobs qui sont revenus. Aïe. Aïe. Voilà. Ouh, la musique, elle est dark dans ce donjon. Boum. Un coffre. Je veux un Kirby. Hop. Un mob, génial. Vous voyez, je me fais troll, c'est pas gentil. Alors attendez. Je sais pas ce que ça va m'aider à faire, ça. Non, ça c'est pour sortir. Là en fait, il faut que j'active un truc et que je tombe d'en haut, je pense, ici. Là je pourrais pas. On va continuer. Allez, meurs. Toi aussi, meurs. Y'a rien là? Ah, y'a un mob de l'autre côté là qu'il faut que je tue, je pense. Ok. Ok. Quand c'est chelou, faut foncer. Bah ouais, mais faut que je le note. Faut que je le note dans ma tête. Vraiment, hein. J'ai faim d'ailleurs. Moi aussi, je pète la dalle. J'ai pas mangé aujourd'hui. Sorry, il y avait beaucoup de messages, mais tellement. Ah, mais là, ils étaient chauds aujourd'hui, hein. Oh non, laisse-moi tranquille. J'ai qu'une clé. Il y a 4 portes. Donc je pense que ça n'a pas d'importance. On va commencer par celle du bas. Attendez. Je pense pas qu'on peut être bloqué. Ok. Aïe. Des bombes. Un fragment de puissance. Bah voilà. La clé. Est-ce qu'elle va bouger avec le tapis roulant ou pas? Bien sûr que oui. Des bombes. Alors je veux quand même tester un truc, je suis désolé hein, même si je perds un cœur, mais... Non, ça me fait pas tomber en bas comme je pouvais le penser, très bien. Ah, je reconnais ce niveau. Quoi, comment ça tu reconnais ce niveau? Ah bah oui, putain, t'as déjà fait le jeu, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un nouveau Kirby qui sort dans pas longtemps, négocié avec le nounours. Ouais, le nouveau Kirby qui sort dans pas longtemps, il a l'air trop bien. Tu vas jouer à Kirby? Mais j'ai fait un tweet aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivraient pas encore sur Twitter, n'hésitez pas à aller me follow. Je fais aussi des tweets dessus par rapport aux news, etc. De jeux vidéo qui sont sortis, enfin qui vont sortir ou autre. Donc n'hésitez pas à me follow là-dessus aussi. Et je verrai la durée de vie, iPhase. Je verrai la durée de vie, mais il me sauce énormément. Il m'intéresse énormément. Ah bah oui, il est sur Switch, bien sûr. Oh la vache. Ça me paraît louche, ici. Ça me paraît extrêmement louche.
Et merci, Jiu. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi confortablement. Merci beaucoup. N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord aussi, en faisant point d'exclamation Discord. T'as directement sur le Discord la possibilité de me faire des suggestions de jeux. Suggestions de jeux, suggestions de musique également. Et puis, de toute façon, c'est là-dessus qu'on rigole. Hein. C'est là-dessus que les gens se foutent de ma gueule le plus, en vrai. Hein. C'est même pas trop les lives. Hein. Les lives sont soft. Non, mais c'est là-dessus qu'on passe aussi à le plus clair de notre temps hors live. Comment je pourrais les tuer eux? Ah, attendez, je vais essayer un truc. Je vais tenter un truc. Oula. Oh. Ouais, ça marche. Oh, là, il est mort. Là, il est mort. 100%, il est mort. Ok, ensuite, on va refaire ça. Voilà, on va le faire aller là. Nous, on va se mettre ici. On va refaire le coup des bombes. Voilà, pile devant. Hop, on chope, on rebalance devant. Et là, non, il est mort. Voilà. Et là, je tiens à dire quelque chose d'important. Là, je tiens à dire quelque chose d'important. C'est chez le Sion. J'espère que t'es fier de moi, mon pote. J'espère que t'es fier de moi, mon pote, parce que j'ai utilisé mon inventaire. Je reviens à cette. Pas de soucis, Aiphaz. Parce que j'ai utilisé mon inventaire, Sion. J'espère que t'es fier de moi. Exactement, ma femme trouve que je parle plus sur Discord qu'avec elle. Pardon, hein. Voilà, je récupère des cœurs. J'ai envie de tenter, putain, allez, je l'empile, vas-y. Non, ça marchait pas, c'était sûr. C'était sûr, bordel. Bon, on va tenter en face, là, en haut. Oh non, je vais prendre d'abord à droite, et après on ira en face. Hop. Est-ce que t'es fier de moi, Sion? Attendez, je prends une bombe, là, à nouveau. Mais non, ramasse-la. Trop loin. Si je me rapproche de lui, ça fait quoi? Il va se mettre où? Ok, il se met là-bas. C'est encore pire. Encore pire, en fait. Fier de quoi? J'ai pas vu ce qu'on lui disait. J'ai utilisé mon inventaire. J'ai utilisé mon inventaire, Sion. Tu devrais être fier de moi, là. Voilà. Et là, maintenant, je prends une bombe. Je la soulève. Je la balance là-bas. Et là, normalement, elle va se... Non! Monte pas, espèce d'abrutix! Oh, j'ai plus que 3 bombes. Voilà. Chaud. Faut avoir le bon timing, hein. Ok, il m'en reste qu'une. Ça va être compliqué, mais... Et tout ça pour rien, c'est magnifique. Ton quoi? Un inventaire? Oui, voilà, un inventaire, tu sais. C'est quoi ça? C'est le truc que j'utilise pas d'habitude. Et que tu me reprochais de ne jamais utiliser. Hop là. Ok. Faut chercher partout en fait si on n'a pas. J'imagine que. Voilà, ça va faire pop un truc, une clé. The Barvane clé. Pop, 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 avec ses petites jambes là. Avec ses magnifiques petites jambes. Oh la vache! On bloque. Voilà. Waouh, mais il en faut plein des clés là. Est-ce qu'il y aurait des bombes s'il vous plaît? Oui. J'en avais plus, ça m'arrange. Un cœur? Oui, ça m'arrange. Rien. Oh là, il y a beaucoup de monde là. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Jean-Marc, tu me laisses. Voilà. Ok. Alors, techniquement, j'ai récupéré une clé et il y a encore un passage en bas. Il y a encore un passage en bas où on doit aller utiliser une clé. Au niveau de la carte, on en est où? Alors, j'ai loupé un coffre là que j'ai pas. Un coffre là que j'ai pas. Ok. Rez-de-chaussée, d'accord. Et là, là ça a l'air good. Mais voilà, il y a cette porte là que j'ai pas. Ok. Ah ça sert à rien en fait. Non, non, non. Vu comme tu m'as embêté avec, c'est que ça sert à quelque chose l'inventaire. Hein. Tu m'as assez embêté avec, comme quoi je l'utilisais pas assez, tout ça, hein, c'est que ça sert. Hein. Oh, il est chelou ce donjon. Je trouve qu'il est très très bizarre ce donjon. Bon là, il me fout le bec, je l'ai pas. Oula. 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 Oh putain. Oh putain. Oh bah
Moi j'ai rien esquivé du tout hein. J'ai tout pris dans la gueule là. Oh Xuichi, comment tu vas? Désolé du retard le 7, mais pas de soucis, comment tu vas ma poulette? Ah coffre. Allez hop là. Coffre, une clé. La boussole. Merde. J'avais oublié qu'on pouvait avoir ça. Bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. On avance. On a galéré un petit peu pour trouver où aller, comme d'habitude, mais on avance. On avance, donc ça me va. Et le jeu est trop bien. Je sais pas si tu l'as déjà fait, toi? Tu l'as déjà fait, Link's Awakening, sur Switch? Ah, là, il y a un coffre. Ouais, bah oui, je le vois, il est en haut, là. Il est assez obvious. Là, je peux pas aller plus loin. Je pense pas que je puisse pousser ça. Non. Hop. Je me souviens plus, c'est quel donjon? C'est le troisième, celui du cyclope. Il me reste encore un donjon, d'accord. Celui qui arrive pas à faire. Espèce de salaud. D'où tu dis que j'arrive pas à le faire? J'ai envie de relancer, mais il est trop bien. Pour le moment, en tout cas, moi je le trouve trop bien. Oh la vache. Ah mais là, j'aurais pas assez de bombes pour les tuer. J'aurais pas assez de bombes pour les tuer. Je vais revenir en arrière. Va falloir que je fasse le plein. Il me faut que je fasse le plein en fait de bombes. C'est chiant que tu puisses pas casser les pots en fait. C'est lequel? J'en ai que deux là. Il y avait une bombe là dans le coin, non? C'était pas celui-là? Ah, ça ripop pas, fait chier. Bon bah écoutez, on va continuer vers le haut. Hein. Parce que j'ai plus assez de bombes là. Oh là! Boss de mi-donjon. Oh là, c'est quoi ça? Ah, il faut des bombes aussi, 100%. Ah, il faut des bombes aussi, j'en ai plus qu'une. Au secours. Ah, j'en ai plus. Voilà, c'est foutu. Mais heureusement, on peut se barrer. On peut se barrer et revenir en arrière. Bon! Oui, voilà, faut mettre des bombes dans la bouche. Non, mais ça, j'avais compris. J'ai compris assez rapidement, si tu veux que je zoome. Le problème, là, c'est... Le problème, c'est que j'ai plus de bombes, en fait. Et dans le donjon, là, tu peux pas farm comme à l'extérieur, en fait. À l'extérieur, je pourrais farm, sortir, revenir dans une pièce et puis récupérer des bombes, mais là, je peux pas. J'aurais dû venir avec plus de bombes dans le donjon. Oh putain, ils m'ont poussé en haut. Ils m'ont poussé en haut. Je vais voir si je peux en récupérer ailleurs, mais... Ça sent pas bon quand même. Hein. Ça sent pas bon quand même cette histoire. Hein. Excuse-moi, je veux pas que tu penses que je te prends pour un demeuré. T'inquiète pas, les autres le font à ta place. Les autres le font à ta place, ils me prennent pour un demeuré, y'a pas de problème. Voilà. Une clé en plus. Y'a pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien. Cœur. Super. Là, j'ai toujours pas le pif du corbac. Donc c'est pas un corbeau et c'est pas un nez, mais tout va bien. C'est-à-dire le bec du hibou. Ah, attendez, par contre, maintenant que j'ai fait ça, je peux revenir en arrière, je pense. Voilà. Oula. 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 Casse-toi. Voilà. Coffre. Ah bah voilà, je l'ai récupéré le bec de pierre. Tout va bien. Mais pareil, il y avait encore quelque chose avant, non, à faire. Mais lâchez-moi des bombes! Un gland. Putain, un gland de défense, je m'en fous, je veux des bombes! En même temps, c'est de faire avec ta logique, peut-être pas. Allez, oh, oh, on va se calmer. Là. Ok. Là, je peux passer par là. Maintenant. Voilà. Ouais, la carte, ok, super. Super, j'ai récupéré la carte. Il est encore long le donjon ou pas? Bah du coup.
Ok, donc le boss, il se trouve en bas. D'accord. Là, il y a un coffre que j'ai pas pu récupérer parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Là, bah, il y a les quatre... Il faut quatre clés, j'en ai qu'une. Ah bah, je suis obligé de continuer, mais j'ai plus de... Je suis obligé de continuer, en fait, par l'autre côté, là où j'avais commencé, mais j'ai plus de bombes. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille en racheter, hein, avant d'y retourner. Hein. Avant de continuer, hein. Pas le choix, hein, je pense, les copains. Je vais devoir sortir du donjon et puis aller chercher des bombes. Hein. À moins qu'il m'en donne dans les coffres. Ah bah, il m'en donne là, c'est bon. C'est bon, il m'en donne ici. Comment il va, mon David ? 4, c'est pas suffisant, il m'en faut plus. Il m'en faut plus ! Comment il va, mon David ? Au secours, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Toujours au taf ? Ah merde. Maîtresse avocate, déjà, j'étais heureuse de voir Seth jouer à ce jeu, mais en plus, je reçois un message de votre part. Sachez que grâce à votre présence, je suis à 100% sûr de passer une bonne soirée et surtout une bonne nuit en pensant à votre voix et à votre si joli visage. Comment ça, tu l'as déjà vu, toi? Parce que nous, on sait toujours pas à quoi elle ressemble. Hein. Je peux pas voir Zelda, je travaille, mais pas de soucis, mon David, t'inquiète pas. Va. Ouais, et si je ressors, je rentre dans le donjon, je peux récupérer des bombes, du coup. On va se mettre full bombe et puis on va continuer. Non, tu l'as jamais vu, hein, parce que là, ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale. D'ailleurs, je tiens à remercier, j'ai pas pensé à le faire en live au début du live, mais je tiens à remercier Kitty Cat. Je tiens à remercier Kitty Cat pour son cadeau d'anniversaire qui vient d'arriver, que j'ai eu aujourd'hui. Voilà. Un cadeau de plus, j'ai envie de dire, parce qu'elle m'avait déjà fait d'autres cadeaux pour mon anniversaire. Mais voilà, elle m'a offert et je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui, en fait. La manette d'Xbox Series X pour PC. Avec le petit adaptateur, voilà. Le petit adaptateur sans fil. Et moi, je m'achèterai juste, du coup, une batterie. Parce que c'est sur pile, normalement, ces manettes-là. Après, je sais pas combien de temps les piles fonctionnent. Sur cette manette. Mais il faudra que je pense à acheter juste une... une batterie, quoi. Ah, c'est venu. Oui, je l'ai reçu tout à l'heure. Aifaz. Merci beaucoup, Kitty. Des gros bisous. Ah, ça y est, t'as enfin eu la manette. Ouais, ça évitera d'avoir ma manette de PS4, là, avec l'embout du câble qui bouge dedans et qui se déconnecte toutes les deux secondes. Là, c'est une vraie manette dédiée à Windows. Au moins, ça fonctionne, quoi. Donc, un énorme merci à Kitty. Merci, Kitty Cat, sœur inutile. super cadal, merci à Kitty Cat. Mais tellement, ça va me changer la vie. Hein. Ça va me changer la vie. Alors, je préfère la sensation des manettes. Sinon, pile rechargeable. Ouais, c'est vrai. Je pourrais aussi, Fly. J'ai une préférence pour les manettes de Play. Mais je pense que c'est un coup à prendre. Mais c'est surtout qu'avec la manette de PlayStation, je suis obligé d'avoir un logiciel à côté et tout. Au final, les touches dans les jeux, voilà, c'est pas toujours reconnu exactement bien comme il faut. Donc, en tout cas, un énorme merci à elle. Je repasse après le taf si t'es encore en live, mon copain. Désolé. Pas de soucis, mon David, t'es au boulot. Normal, mon pote, vas-y. Hein. Enfin la manette, ouais, enfin la manette. Et tout ça, c'est grâce à Kitty Cat. Et coucou le Stellou. À tous les autres, comment allez-vous? Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. On fait aller. En vrai, je vais vous dire, on fait aller. J'ai connu pire, j'ai connu mieux. Ouais. Ah oui, tu utilises quel émulateur? Bah ça dépend du jeu. Là, j'utilise pas d'émulateur, je suis sur Nintendo Switch. Hein. Je suis sur, voilà, j'ai ma manette de Nintendo Switch. J'utilise pas d'émulateur. Mais même sans parler d'émulateur, mais si je prends certains jeux sur PC, tu vois, que j'utilise avec ma manette de PS4, soit elle est pas reconnue, soit quand elle est reconnue, c'est pas forcément super bien adapté. Et le gros problème que j'ai, c'est que sur ma manette de PS4, j'ai en fait une petite clé Bluetooth. Pourquoi ça fonctionne, que j'ai rangé, je ne sais où, je l'ai rangé là par là. Une petite clé Bluetooth, du coup ça fonctionne, mais j'ai de la latence. Et sur les jeux qui demandent à être un peu précis, comme par exemple sur les émulateurs, genre Mega Man X, fallait être précis, c'était la merde. Et je t'aime, moi aussi je t'aime, Gyuchi, merci beaucoup. Merci pour ça. Je suis comme un noob sans icône.
Donc sur certains émulateurs, sur certains jeux où ça demande de la précision, avoir de la latence, c'est juste horrible, tu vois. C'est juste horrible. Donc, avoir une vraie manette qui est vraiment optimisée pour Windows, qui est faite par Microsoft, etc. Voilà. Tranquille, je rentre du taf, prendre une douche et me poser sur le canapé. T'as bien raison, Momo. Perso, avec RetroArch, toutes les manettes fonctionnent super bien. Après, j'ai une Xbox pour le reste. On est d'accord pour dire que les manettes PlayStation sont plus agréables. Et merci beaucoup, le Sion, pour le sub offert, Xuichi. Merci, mon poulet. Mais t'es un amour. Merci beaucoup. Un grand malade. Alors, oui, les manettes fonctionnent. C'est pas la question, Balik. Si tu veux, ce qui m'embête... Bon, je crois que j'ai assez de, j'en ai assez des bombes, on va y aller. Ce qui m'embête, c'est que j'ai un peu de latence quand je joue en Bluetooth, tu vois, c'est emmerdant. Et pour les jeux rétro, c'est un peu chiant, tu vois. Comment dire, et quand je joue en filaire, pour éviter qu'il y ait de la latence, j'ai commencé à flinguer au fur et à mesure, vu que c'est une simple prise mini USB, j'ai commencé à flinguer. Au fur et à mesure l'entrée, donc des fois j'ai des déconnexions en plein jeu, machin, etc. C'est chiant, voilà, c'est chiant. De toute façon, les manettes de PS4, elles ont pas été prévues spécialement pour PC. Alors que les manettes de Xbox, c'est un pack spécialement Windows, c'est marqué en plus, tu vois, ils donnent le dongle avec et tout. Donc, comme ça, y a plus de soucis. En tout cas, un gros merci à Kitty pour le cadeau. Oh, mais mais ça va, ouais! Voilà. Comment te remercier, Sion Sama? Dis rien, dis juste merci. En disant merci, peut-être ça marche. Ça peut marcher sur un malentendu. Ok, donc j'ai assez de bombes là. Là, je pense qu'on est pas. Mais tu vas mourir, oui! Voilà. Stellou qui est en mode full, je regarde ce qui se passe, je dis rien, mais je regarde toujours ce qui se passe. Hop là. Parfait. Et GG Eniel qui passe level 42. Oh la vache. Ok, ça c'est fait. Ok. Donc techniquement... Hop là, ça s'est fait aussi. Est-ce que le Zozio... Ouais. J'ai récupéré le... On s'en fout. Voilà. Loin devant toi, ne crains rien, fonce et vole. Ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ouais. Ok. Bon, on continue. Ah non, c'est de là que je viens, je suis con. Alors. En vrai. La technique là, voilà, c'est de le faire se TP. Là pareil, il va se TP ailleurs. Voilà, il va revenir là. C'est parfait. Je suis pas obligé de le tuer, ça me fait rien gagner, donc on va avancer. Alors, on arrive là, c'est parfait. On continue. Voilà. Voilà. Donc là, si maintenant je monte ici, je vais pouvoir aller lire ce qu'il dit l'autre là. Oh fuck! Oh fuck! Qu'est-ce qu'il me dit alors, le Zozio? Plante ta lame dans les murs suspects et prête attention au son qu'elle émet. Ah, c'est ce qu'il m'avait dit, Sion! C'est aussi ce qu'il m'avait dit, le Sion, quand tu tapes sur les murs, en fait, les murs qui sont cassables, qu'on ne voit pas, ils ont un petit son particulier qui fait ping ping! Je le fais bien, Hop. Je suis passé. Il n'y avait rien d'autre en fait ici, je suis venu pour rien. Je suis venu pour rien ici. Au secours! Au sud de la flèche. Oui, ici, là. Il n'y a pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de bruit bizarre en fait. Ah, peut-être faire ça. Non, bah, écoute, je ne sais pas. Céd, prépare-toi.
Je vais te économiser assez de pièces pour te faire jouer en mode taupe. Non ! Laisse-moi tranquille. Voilà. Une personne ne veut pas de moi ici, avocat. What the fuck? Que de gentillesse, monsieur Romu, au sud de la flèche. Qu'est-ce qu'il a dit, le Romu, encore? J'ai pas vu. Un merci, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Reste appuyé. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de sons, spécialement, si tu veux. J'ai envie d'être mesquine avec toi, c'est pas gentil, ça. Hein. Ah, ok, ça me ramène là. C'est juste un raccourci, maintenant. Voilà, y'a pas de son particulier, hein, je trouve. Hein. Qui c'est qui se fout de moi, Tine? Comment ça, tu te fous de moi, Tine? Attention. Alors. Genre, je peux pas pousser le truc. Et merci pour le lurk, l'excuse pour quitter le stream. Mensonge. Nani de fuck. Rien du tout ici. Ah, je dois un petit Joy-Con drift là, c'est chiant ça. Celui-là il veut pas. Et là par contre j'appuyais plus et puis continuer d'appuyer lui. Ça c'est relou hein. Purée, ça pue le faillotage, léchage de poule en plein nez ici. J'arrive pas à comprendre à quoi sert le lurk, c'est doux. En fait c'est juste pour indiquer que tu restes sur le live mais que tu n'es plus là en fait. Et donc ça me permet d'avoir une vue supplémentaire pour que je sois mieux référencé sur Twitch. Mais que tu fais quelque chose d'autre à côté. Je me suis souvenu du Mario Party, j'ai pas pu résister, Ced. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien, Tine, on est d'accord. Moi, j'attends les 5K. Mais arrêtez de m'embêter. Je comprends pas, là. Parce que, attendez, je regardais ma carte, mais... Faut bien que je puisse monter, là, en fait. Ok. Alors... Sinon, il y aurait la technique du de mettre une bombe, mais... Là ? Là ! Bah non. Pourtant, ça ressemble vachement quand même à ce qu'il me disait, non ? Regardez, là. Non ? Non, ça le fait partout, en fait. Alors là, je comprends pas. Je vais devoir y aller, j'espère pouvoir être là demain. Tu joues à quoi demain d'ailleurs ? À Deltarune, à 17h. Mais trop génial, en tout cas, je suis content d'avoir découvert la chaîne. Bah écoute, avec plaisir, moi ça me fait extrêmement plaisir de te voir, en tout cas, Balik. Oh, ça va lurker, alors je veux que tu deviennes célèbre, mais pas trop. Ok, c'est gentil. Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. Merci, je passe une bonne soirée aussi. En tout cas, un gros merci, Balik, merci beaucoup. Le backstab de Monsieur Fion était bien... Ouais, j'avoue, hein. Bonne soirée, en tout cas, Balik. Mais vous voir galérer sur des jeux pas compliqués, c'était énorme. Franchement, c'était énorme. J'avais pas vu ce que t'avais dit, mais j'allais répondre la même chose, bah voilà. En fait, je pense qu'ici, je peux pas y aller pour le moment, il faudra que je revienne. Ici, avec peut-être les chaussures, je me fais chier pour rien, là. C'est même quasi sûr hein, que c'est ça. Ok, alors j'ai combien? J'ai toujours qu'une clé, mais par contre, je peux continuer. Hop, tout à l'heure, j'ai essayé de monter, là. Fait que je batte un boss, je pense que c'est pour récupérer... Je pense que c'est pour récupérer, justement, une clé. Donc on va essayer ici. Ok. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah quoi que... Non, il va se tourner de l'autre sens. Ok, vas-y, tourne-toi vers moi. Voilà. Avance. Oh, tu l'as pas bouffé. Salopard. Mange. Mange. Mange.
Mange. Genre. Oh, la hitbox de ses morts. Bon, on en fait un. Oh, une fée. Allez, mort. Mange. Mange. Oh putain, il a pas ouvert sa bouche. Il a pas ouvert sa bouche, l'autre là. Tiens là. Non, il est parti dans l'autre sens. Mais c'est lol. En fait, faudrait que j'attende plus longtemps. Je suis en train de flinguer tous mes mombes là. Voilà. Ah, il m'a même pas donné de... D'accord, c'est génial ça. Et merci pour le lurk, Zuichi. Merci beaucoup, ma poulette. Merci aussi, Romu, pour le lurk. Non, m'en fous, de toute façon, je l'aime pas. Vous avez fini, hein. Vous avez fini, oui. Il était repu, il en voulait plus, salaud, mais tellement. Moi, j'avoue, tu as fait un coup de maître en fin de jeu, Sion. Mais Sion, il nous a tellement mis minable. C'est ouf. Ok, il y a un TP, c'est génial. Ça me fait une belle jambe. Ah, ça me ramène là. Hop, comme ça. Les bottes. Vous avez obtenu les bottes de Pégase. Foncez avec L, sautez en pleine course pour atterrir encore plus loin. L. Ok. Ok. Oui, mon bébé. Tu veux pas manger? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas manger, mon copain? Pourquoi tu veux pas manger, Mathieu? Ah, ok, on peut courir et faire ça, d'accord. Par contre, il y a moyen de sortir d'ici ou quoi? Ah, bah là, je suis con. Je suis bête. Voilà. Hop. Comment tu regardes le jeu? Il te plaît le jeu, Mathieu? Non, il te plaît pas le jeu. Oup. J'ai glissé, chef. Ah, mais attendez. Voilà. Zut, j'ai tombé. Ouais, je suis passé. Oh, la clé du boss. La clé du boss. Il aimerait Zelda dans 3 ans, tu verras. Ah bah c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ça. Un petit peu papa. Tu veux quoi? Tu veux dire bonjour aux gens? Oh, tu dis bonjour aux gens? Et après tu vas manger, hein. Parce que c'est l'heure du miam miam, hein. Oh, le gros câlin. Le gros câlin de l'amour. Oh là 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 là. Le gros câlin de l'amour. Regarde, papa, il va regarder un petit peu ce que les gens y disent. Pardon, attends que je sois modo, toi. Bah, t'es, pour le moment, tu l'es pas, Sion, hein. Calme-toi. Là. Là, oui. Là où? Ouais, là, il y a un monstre. Il faut que j'aille le taper, c'est ça? Oui. Faut que je le tue? Oui. Vas-y, viens, on le fait. Viens, on va le tuer. Hop, vas-y. Hop, regarde, hop. Regarde, papa, comme il est pas fort. Hop là, a plus. T'as vu un peu? Il est repu. Il en voulait plus, salaud. D'accord, ça j'ai lu, le lurk j'ai lu. Ok, ok. Pegasus, oui, enfin, enfin, j'ai enfin les bottes de Pégase. Alléluia, il aimera Zelda dans 3 ans. Totalement, je suis sûr et certain. Il est trop mignon, fais-lui un bisou. Mais j'arrête pas de lui faire des bisous, Zuichi. Il est trop mignon. Tu restes Miss Megaman. Chinaise. Hop, alors attendez, je regarde où je dois aller un petit peu. Il va falloir que t'ailles manger, toi, hein? Non. Ah bah si, c'est l'heure, hein. C'est l'heure d'aller manger, mon grand. Hop. Ah oui, on devait partir vers la gauche aussi. Mais du coup, il y a plein de choses que je dois récupérer, hein, maintenant, avec le... grâce aux bottes de Pégase, je pense. Tu veux jouer, toi? Oui. Bon, vas-y, montre-nous ton skill, Mathieu. Alors, faut que t'a... Avec celui-là, tu bouges. Avec celui-là, tu bouges ton personnage. Voilà. Exactement. Va à gauche, va à gauche. Comme ça. Je mets vers la gauche comme ça. Voilà. Il est tout fier de lui. Il est tellement fier de lui. Et GG Gjuichi qui passe level 23. Bon, il va finir par me lire. Hein. Mais je suis en train, 2 secondes. Je vais faire appel à plein de copier-coller, mon fou. Il s'appelle comment, le nain? Le nain s'appelle Mathieu. Le nain s'appelle Mathieu, mon Romu.
Tu as vu, on me déteste. Mais non, ils disent ça, mais pas... ils disent tout ça, mais parce qu'ils t'aiment. Tu sais, c'est comme les petits enfants dans la cour de récré. Hein. Dès qu'il y a une petite fille qui les intéresse, hop là, ils leur tirent les couettes. Mais imagine-toi, toi t'as un harem, ma grande. Il est aussi bon que toi en fait, mais totalement. Il est meilleur que toi, Ced. J'en étais sûr. Allez, viens, on descend. Viens, on descend. Regarde, papa, il monte. Attends, c'est bon, j'ai plus le droit de jouer. Ok, j'ai plus le droit de jouer au jeu. C'est bon, il m'a dit attends. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Attention, attention à eux. Attention à eux. Là, il faut que tu montes. Tu montes. Par en haut, par en haut. Et là, t'appuies, tu tapes. Hop, regarde, avec le pouce là. Ici. Regarde, tu vois, regarde. Il va me faire mourir. Hein. Il va tellement me faire mourir. Dans l'autre sens, comme ça. Là, voilà. T'as les petites mains, mon bébé, hein, c'est chiant. Hein. Allez, vas-y, tape. 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 Non, attends, Mathieu, tu vas me faire mourir. Au secours. Oh, putain, c'est pas possible. Attends, attends. Attends, attends, on va les avoir, on va les avoir. Hop là. Attends, attends, attends. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est doué. Oh, une clé. Bah oui, une clé, t'as vu. Oh, une clé. Bah ouais, ça m'arrange, je t'avoue, Mathieu. Attends, 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 attends. Je me pose, attends. Allez, viens. Bah, tu dis au revoir aux gens, tu dis bye-bye. Tu dis bye-bye, il faut que t'ailles manger, mon grand. Allez. Oulala, 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 oulala. Oulala, oulala. Allez, je reviens tout de suite, les copains, je reviens tout de suite. Allez, viens. Et re, les enfants. Re. Bon, on va essayer de finir quand même ce donjon. Qui est-ce qui a abusé du lurk, là. Ah. Il est bien meilleur que toi, cette pauvre petite chatte. Oh, mais... Oh, mais le bébé, mais oui. Non, garde-le, il a des meilleurs skills que toi. Vas-y, j'arrête, je vais me faire taper dessus, sinon... Ouais, il y a la modération qui va venir te taper dessus, je pense, hein. Non, 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 abusez pas du lurk. Abusez pas du lurk, sinon je bloque le truc. Je vous dis direct, sinon je bloque le truc. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour... J'ai déjà...
Non, franchement, vous arrêtez d'utiliser l'orc, s'il vous plaît. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que c'était chiant. S'il vous plaît, merci. Bon, vas-y. Vous savez quoi? Hop. Ouais, mais c'est relou pour les autres, Panox. C'est relou pour les autres. Vraiment. Hop. C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop là. C'est peut-être pas relou pour toi, mais c'est relou pour moi, et c'est surtout relou pour les autres. En vrai, c'est là pour que je sois en fait averti quand quelqu'un part en lurk, si c'est pour... si vous l'utilisez pour tout et n'importe quoi, c'est pas ouf, tu vois. Encore, quand c'est dans des jeux d'horreur, je veux bien, parce que voilà, ça me fait sursauter, c'est drôle. Mais hors jeu d'horreur... Voilà, quoi. Pour vaincre les monstres noirs au cuir impénétrable, faites-leur avaler ce qu'ils blessent... Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait, en fait, j'ai déjà battu le boss. Ok, alors attendez, là, ici. Hop. Ah, ça me fait revenir ici en fait. J'ai deux clés, hein. Je pourrais continuer. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite? Ok, ah, il y a une bombe à utiliser là en bas. Donc ça voudrait dire que... Je regarde, là il y a un mur à exploser en fait, d'accord. Ok, je peux pas sauter en bas directement, non, ok. Mais ça m'a permis de voir qu'il y avait un mur à exploser. Mais moi je veux un prout. Ouais, mais on n'est pas chez David là. On n'est pas chez David. Hop là. Je sais plus si c'est par là. Non, c'était pas par là, hein. Non, c'était par la droite. C'est pas vrai. Non mais vous pouvez utiliser le lurk de temps en temps, ça me gêne pas, tu vois. Mais là, enchaîner 15 lurks d'affilée, c'est un peu relou, quoi. Double esquive. Je crois que j'ai les tués, en vrai, ceux-là. Eux non plus. Hop, ah, un cœur, quand même. Ah, yo, Aristote Loki, comment il va? Ok, ça c'est fait. Donc là, techniquement, je suis là, je dois poser une bombe. Salut le beau Setfer, tu vas bien mon Aristote? En fait, pourquoi tu utilises pas les bottes pour traverser rapidement les salles? Parce que je suis un connard. Parce que je suis un connard, Tin, et que déjà dans Link to the Past, j'avais pas ce réflexe. Oh la vache, oh la vache. Ok. Est-ce que tu voudrais bien me prévenir quand tu revois Revo comme ça? Oui, oui, non, pas de soucis, pas de soucis, je te préviendrai, Xuichi. Pas de problème, t'inquiète pas. Hop. Et une petite fée, voilà. Ok, et? C'est tout? Je récupère une clé? Ok. Parce que je suis con et que j'oublie à chaque fois, en fait. Attends. Comme ça, après votre McDonald's, je pourrais enfin voir ma star IRL. C'est gentil, mais bon, de là à dire que je suis une star, Xuichi, on va se calmer peut-être. C'est mignon, hein, c'est mignon. Hein. Mais on en est loin quand même. AK au Resident Evil 7, non mais jamais. Mais laissez-moi tranquille avec les jeux d'horreur, c'est pas possible ça. Voilà, meurt. Tu es ma star. Oh, c'est beau. C'est gentil en tout cas. C'est très gentil. Hop là. Aiphas, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Plus 1000... J'ai pas compris là. Hop. Oh, il me manque une clé. Oh, il me manque une clé. Où est-ce que j'aurais loupé un truc?
Ah bah tout en bas là. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils mettent un TP en fait. C'est pour ça qu'ils mettent un TP, c'est pour revenir au début du donjon. Et pour qu'on ait récupéré cette clé qu'on ne pouvait pas prendre au début maintenant qu'on a les bottes. Et pour pouvoir revenir, logique. Autant utiliser ça sert en plus. Mais bien sûr que ça sert, mais à chaque fois j'y pense pas. Je récupère ça. À vous parler de moi dans mon dos avec une autre, avec dans une autre langue pour pas que je comprenne, c'est ça? Ok, non mais c'est bien, je note, je note. Bonne soirée, le Panox des Zoubis. Oh punaise, oh punaise. Ah, mais c'est dur en fait. C'est dur en fait cette histoire. Et voilà la dernière clé. Zoubil Panox. Voilà, à plus. Et GG le rebeu qui passe level 27, GG à toi. Attends, je vais prendre encore quelques bombes maintenant que je suis là. Ah bah je peux plus, ok, il n'y en a plus. Tu sais Panox, j'ai toujours vécu à côté de l'Allemagne depuis que je suis né, je parle pratiquement pas allemand, hein, donc ça veut absolument rien dire. Allez, lâche-moi toi. Ouais, je sais, je suis juste le boss. Tellement, tellement mon remu. Le cheveu, il est choli. Il est tout chaune. Hop là, je descends, double esquive. Oh, ça ressemble à Super Meat Boy, ça. Ok. Je peux pas le taper, genre. Petite bombe. Petite bombe, allez. Balek. Attends, mais comment je passe, là? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon inventaire? Non, je pense qu'il y a rien d'autre, là. Il y a des pics. Ah, mais faut que je fonce dedans, en fait. Faut juste que je fonce dedans, sûrement. Ah oui, voilà. Tout simplement. Jalouse. Toi, faut qu'on trouve une commande prout, t'en as besoin. J'avoue, il est en manque de prout, Tine. Aïe, ça pique. Ah, j'aurais peut-être pu foncer aussi. Espèce de con. Ah! Oh, punaise. Ceux-là. Ok. Ok. On va faire le ménage. Ah, je peux les tuer comme ça, j'ai plus besoin de bombes. Oh, c'est trop bien. Voilà. Je vais laisser les cœurs qui sont là. À moins qu'il y ait le boss direct derrière, mais... Non, il y a encore une salle. Yo, le Pablit, comment il va? Moi, je parlais néerlandais avec Haifaz, mais Xuichi me parle en allemand et m'a insulté. Bien joué. Bien joué, Xuichi. Je reste en lurk, je finis le retour du roi avec les enfants ce soir. Pas de soucis, mon Aristote, merci beaucoup pour le lurk. Ça roule et vous? Bah écoute, ça va. Ça va. Voilà. Encore une clé? Pourquoi j'aurais besoin d'une clé maintenant alors que j'arrive au boss? Pourquoi j'aurais besoin d'une clé maintenant alors que j'arrive au boss? J'ai l'impression que tous les coffres, je les ai récupérés. Bon, il faut peut-être une clé après, mais... C'est louche. Bon! Ah bah boss, hein. Ah, c'est ton préféré, Link's Awakening? Bah moi, c'est la première fois que je le fais, Pablit, c'est la full découverte, là, pour moi. Et le coup de pouvoir sauter et tout, c'est vraiment trop stylé, hein. Tu me trouveras pas, Bonk, ne t'avise pas de...
de faire trembler les murs. Bah si, justement. Boum. Ah, mais je le reconnais, lui. Je le reconnais, lui. Gigazol. Bon, je vais pas tarder à y aller. J'ai peau faim, mais va falloir aller manger quand même. Bah ouais, je me doute bien, mon rebut. Ok, et dans le non-œil, si je lui fais ça... Ah oui, ça le sépare. Ah, mais ça marche aussi, en fait, en le tapant juste. D'accord. Aïe. Peut-être que je le fasse quand même en courant. Ah, attends, au milieu, là. Si je cours au milieu, là. Je tape au milieu, peut-être. Non. Ok, et si je fais ensuite. Oh, putain, c'est... Oh vache, j'ai du mal hein. Non, ça marche pas. Mais ça a l'air d'être ça, hein, je pense. Ou une bombe. Peut-être une bombe. Oh merde. Je pense que j'étais bien placé là, mais... Voilà. J'étais sûr que c'était ça, c'est juste que j'avais le mauvais placement. Oh là, il me tombe sur la gueule lui encore. Oh genre, je l'ai pas esquivé. C'est compliqué là. Oh fuck. Oh putain, j'en ai tué un sur deux. Si je saute, ça esquive ou pas? Ouais. Ça esquive le... Ok, le stunt. Très bien. Oh fuck! Allez, double esquive. Voilà. Déjà? Il était super simple ce boss! Un peu trop simple même, je dirais. Un pudding plutôt. Ouais, ça va, j'ai loupé. J'ai loupé, mais bon. C'est louche qu'il me reste une clé, non? Bon appétit quand même, mon Romu. Des zoubis, repose-toi bien. C'est louche qu'il me reste une clé. Pourquoi il me reste une clé? Je regarde hein, si j'ai loupé quelque chose, mais... Merci pour les GG, iPhase. Je vois pas d'endroit où j'aurais loupé un coffre. Allez, boum! La clochette! Vous avez obtenu la cloche des algues. Ok. Force à toi, Romu. Vraiment, force à toi, mon pote. Cascade cachée sous la cascade. Ok. Oui, maintenant, bah je peux aller sur l'eau. Enfin, je peux marcher... Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, en fait. Ah! Le Zozio! Le Zozio qui revient! Ouais, tu nous tiens au courant, le Romu. J'irai voir sur ton mur Facebook tout à l'heure. Ouh! Combien d'instruments des sirènes as-tu en ta possession? Quand tu joueras les 8 instruments enfin réunis, le poisson rêve se réveillera. Alors seulement pourras-tu quitter l'île. À présent, rends-toi vite vers les dunes de Yarna. L'horrible monstre noir des sables t'y indiquera le chemin. L'horrible monstre noir des sables et dunes de Yarna, ok. Est-ce que j'y suis allé, déjà? Pas du tout. Je suis pas du tout... Il y a la plage Coco... Bah ça doit être là, hein. Ça doit être ici, hein, je pense. Hein. Vu que là, ici, je pouvais pas y aller sans les bottes. On va continuer. Et maintenant, je vais pouvoir aussi continuer. Je pourrais, en théorie, aller là aussi. On va retourner à la ville. Et puis, on va retourner à la ville. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Ah, ici, il faut que j'aille récupérer le coffre aussi. Parce qu'on va regarder la carte qu'il y a en ville. Et maintenant, en plus, on peut faire tomber à la bibliothèque. On peut faire tomber à la bibliothèque en plus, comment ça s'appelle? Il y a un bouquin qui est en hauteur. Hop. Ouais, juste aller là-haut. Je crois que c'est là, non? Ouais, c'est là. Hop là.
Bon, les nains m'appellent pour manger. Je re tout à l'heure, si vous êtes toujours là, des zoubis. Voilà. Oh, fuck. Voilà. Hop, je pense que celui-là, je peux le pousser maintenant. Voilà. Et le coffre. Des bisous. Non, j'ai pas volé le marchand. Pas encore. Bon, 50 rubis, c'est tout. Bon, ok, j'enlève le... Ok. Tac, ici, le cœur, bah je l'ai récupéré, en fait. J'ai oublié d'enlever l'icône, mais je l'ai récupéré, celui-là. Hop là. Ah, ici, je pourrais essayer de le faire. Ici, je pourrais essayer de le faire. Fais pas, c'est mal. Lol. Ok. Bah écoutez, on va retourner. Juste, du coup, je peux pousser celui-là. Je peux pousser genre celui-là. Non. Obligé de faire le chemin dans le sens inverse. Ok. J'aurais dû foncer. Je suis un connard. Il va t'appeler voyou tout le reste du jeu après. Je suis pas un voyou, je le ferai pas. Je sais pas ce qu'il a gagné, mais je le ferai pas. Ah, sauf si c'est un quart de cœur. Si c'est un quart de cœur, je le fais, hein, bien sûr. Là, on est juste à côté. Hop. Voilà. Alors. La bibliothèque est tout au bout, là. Pardon, pardon. J'aurais foncé dedans comme un connard. Non, juste, tu payes pas l'objet que tu prends, tu sors avec gratos, ouais. Voilà, examinez. Le pouvoir insoupçonné des couleurs, voulez-vous lire ce livre? Oui! Le pouvoir des couleurs repose sur 5 pierres tombales. 3, 4, 5, 2, 1. D'accord. Poussez-les toutes de toutes vos forces et une nouvelle voie s'ouvrira à vous. Le pouvoir des couleurs emplit l'habit de celui qui prouve sa valeur. Qu'est-ce que ça vient... Ok, donc c'est pour ça que j'avais trouvé des... comment ça s'appelle? Des pierres tombales. 3... Alors, 3, 4, 5, 2, 1. Ok. 3, alors 4, 5, 2, 1. Oui, j'espère que ça le met dans l'inventaire, ce truc. On va regarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va mettre... Tiens, on va garder les bombes. Je vais regarder. Est-ce que ça me le met dans les souvenirs, ce truc-là? Putain, je me plante toujours de touches. Ok. Hibou, cloche, blablabla. Non, il me le met pas. Bon, 3, 4, 5, 2, 1, c'est assez simple à retenir, je pense. Hop, voilà. La carte, je sais plus, je crois que c'est ça. Vas-y. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non, juste, tu payes. Ok. Oui. Alors, 3... 4, 5, 2, 1. S'agissait de le retenir en même temps. Et l'autre, il m'a dit d'aller dans les dunes de Yarna. C'est tout en bas, ouais, voilà. Tout en bas à droite. Et ça tombe bien parce que la zone juste en dessous, là, on doit la faire également. On doit y aller également maintenant qu'on a les bottes. Le champ des pièges est juste à côté. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on peut y aller aussi. Et GG Palut qui passe level 23 et Psycho Jace qui passe level 15. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on avait encore à voir au-dessus, là? Ah, peut-être ça, aller regarder si maintenant je peux pas y aller par hasard. Lui, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Là, il y a un truc, mais je pense que c'est pas pour le moment non plus. Bah du coup, on va essayer d'aller faire le coup des pierres tombales qui sont là. 3, 4, 5, 2, 1. Et on va essayer d'aller faire peut-être aussi ce donjon-là, des rêves, là. Tiens, on va aller voir si on peut le faire maintenant. Maintenant qu'on a les bobottes. Je vais sauvegarder déjà. Ah, cette musique aussi. Cette musique qui est beaucoup trop stylée. Genre, c'est ici le vendeur si je prends un truc, genre si je rentre par là. Non. Il fait quoi lui? Il vend juste, c'est ça hein. Le bazar du centre. Ah, genre, attends voir. Je pensais qu'il fallait rentrer par une porte dérobée derrière ou un truc comme ça, mais il n'y en a pas en fait. C'est genre, je prends un truc et je me casse, c'est ça le... Ouais, non, non, je... Ah, par contre, il y a l'arc. 980 rubis.
Regarde la fin du dernier. Tu n'as pas. Attends, hop. Faut que je regarde le truc. Même pas vrai. Si, regarde. Ah oui. Ouais, oh, bah, par contre, il y a l'arc. Putain la vache. L'arc, 980 rubis. Bon, va falloir qu'on farme un petit peu les rubis, les copains. Hein. Il le vend en fait. Ok. Merde, j'ai tapé une poule, j'aurais pas dû. Je vais le regretter plus tard, ça. Tu le prends, tu fais le tour en mode en boucle, et quand il regarde pas, tu sors. Ouais, non, mais... Je vais le faire legit, mon pote. Je vais le faire legit, mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un voleur, hein. Ok. Gîte des rêves. On va voir si on peut continuer ce donjon-là, du coup. Ok. Ah oui, donc de toute façon, là, je vois le truc à droite. J'étais obligé d'avoir le... Ok. Effectivement, ça passe beaucoup mieux si je fais comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Qu'est-ce qu'on a par là? Un coffre. Ah, y en a un aussi, là. Direct des instruments. Oh, 100 rubis. Oh vache. C'est bon, ça. Y'a direct un instrument comme ça, cadeau, juste pour... parce qu'on... On fait ça, là? Mais non. Attends, ou alors c'est un ocarina, juste. Vous avez obtenu l'ocarina, il ne vous reste plus qu'à travailler votre répertoire. Ah, attendez, c'est autre chose, là. Ocarina. C'est Nocana, mais vous connaissez aucun morceau. D'accord. Bon, bah on verra plus tard, ça. On verra plus tard, mais j'ai chopé l'ocarina. Très bien. À toi, la téléportation. Ouais, mais j'en avais déjà, regarde. Des TP, j'en avais déjà récupéré. Ah bah, ils sont pas affichés sur ma carte, là, mais... J'avais déjà récupéré celui-là, j'en avais récupéré un plus haut et tout. Bon bah, du coup, je pourrais enlever sur ma carte. C'est bon, c'est fait, ce donjon-là. Je pensais que ça allait être un vrai donjon un peu compliqué avant de... Mais en fait, pas du tout. Hop là. Non, je m'en vais si c'est comme ça. Mais non, mon Stellou, reste, reste donc. Reste donc, mon copain. Bon bah, écoute, du coup, nickel. Super nickel. Hop. Là, je peux enlever. Je peux l'enlever, celui-là. Voilà, c'est fait. On va retourner dans la forêt, on va aller voir ici, dans la forêt. Parce qu'en bas là... Ah si, il faudrait que j'aille voir aussi là, il y a peut-être quelque chose à faire maintenant que j'ai les bobottes. On va aller voir aussi ça. Alors, avant de monter dans la forêt, on va aller sur la plage. On va aller sur la plage. Il a pas vu le raccourci, non j'avoue que j'ai pas fait gaffe. On s'en fout, t'as rien vu Tine, t'as rien vu, tout est sous contrôle, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais, c'est vrai qu'avant je devais y aller pour la... Ah, j'ai plus besoin maintenant. Ouais, mais... Où est-ce que j'apprends les mélodies? C'est ça le truc. Là, tu peux te TP n'importe où. Ouais, mais faut que j'apprenne les mélodies quand même, tu vois. Là. Il existe sur cette île des points de téléportation. Vous pouvez vous en servir pour vous déplacer d'un point à l'autre de la carte. Toutefois, il est impossible de se téléporter vers un autre point de téléportation si vous n'avez encore jamais foulé le pied. Ah, c'est tout. D'accord. J'aurais peut-être dû regarder s'il n'y avait pas... Voilà, voir quoi exactement, Tim, c'est comme ça que je vois les choses. Mais très bien, continue comme ça. Ah mais qu'est-ce que... Impossible de lire sans la loupe, j'ai pas de loupe, ok. Non, ça on s'en fout. Et Ruxiuchi. Non, ça je m'en fous. L'écran de carte et ses secrets, voulez-vous... Non, on l'a déjà lu aussi, ça. Non. Bon, eh ben, on va aller sur la plage. On va aller voir si on peut maintenant ouvrir ou pas ouvrir. Enfin, ouvrir ou pas ouvrir, j'en sais rien. Je me rappelle plus ce qu'il y a. Mais il y a ici quelque chose à faire. Il faut qu'on aille voir. Sinon, je l'aurais pas noté. Prout. Putain, il est tellement en manque de prout qu'il est fait à la main, quoi. Il est fait manuellement, ce con. Je
suis désolé, hein, je suis désolé, Tine, de ne pas avoir des proutes sur le live. Alors. Ah ouais, non, mais il en manque un. Tine, as-tu des diarrhées? Ah oui, c'est juste lui, je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, peut-être... faire tomber, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire ici, en fait. Je comprends pas. J'entends le bruit... J'entends bien qu'il y a le bruit de quelqu'un, mais... Je comprends pas. Ici, je comprends pas. Toujours pas. Bon, tant pis. Plus tard. Ouais, bah ok, plus tard. Je pense qu'il me... C'est ce que j'ai dit au début, je pense qu'il me faut des lunettes particulières, en fait, pour le faire. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'il faut des lunettes, mais je suis pas sûr. Pour pouvoir voir la personne en question, mais bon, on verra. Allez, go. Il va pas me cracher à la gueule, celui-là. Je me demande où est-ce que je vais récupérer les sons. Hop, enfin les musiques de l'ocarina, je me demande où est-ce qu'on va les récupérer. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, Zuichi. Bon, on verra plus tard. Hein. De toute façon, je suis pas là pour faire le 100% en live non plus. Hein. On a quand même avancé, on a fait un donjon, on a voilà, on a 3 instruments sur les 8. Non, franchement, ça avance, tranquille, tranquille. Ça va. Tu as déjà l'ocarina? Ouais, ouais, je viens de le récupérer. À l'instant. Hop là. Alors. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle. Alors ici, je me rappelle que je pouvais sauter là. Putain. J'ai loupé le saut, c'est génial. Voilà. Par contre, je me rappelle aussi. Je me rappelle aussi que je m'étais dit, il faudra sûrement le grappin, et je pense que c'est ça. Non, c'est juste ma marque de fabrique, mais oui, tellement, tellement. Non, non, mais me spoil pas, pour le coup que tu utilises. Ça avance, je sais pas si je dirais ça de ta progression, moi. Si, si, mon méro, comment il va? Je me suis planté de bouton. De toute façon, là, ça passera pas, là, ça passera pas. Voilà, ça passera pas, c'était sûr. Mais non, mais arrête de tomber, espèce d'abruti. Ah non, c'est mort, c'est mort. Je pense qu'il faut le grappin, ce qui nous permet de nous accrocher là-bas, de faire tomber le caillou et de prendre le cœur. Je pense que c'est grillé, là. Non mais je compte pas le faire, ce jeu est trop cool pour être spoil, on est d'accord. Exact, voilà, bah tu vois, je me disais aussi. Je me disais aussi. Ok, donc là on est sur la bonne route, parce que là, de toute façon, je peux pas encore y aller pour le moment. Le mec il veut une lettre, mais j'ai pas une lettre. Je pense que c'est en faisant les échanges d'objets, à un moment je vais me récupérer une lettre que je vais devoir lui ramener. Bon là c'est une fée. Là il y a quelque chose à faire, je pense, mais on va essayer avec... De toute façon, on va aller ici. On va aller ici où il y a les pierres tombales. C'était quoi déjà? Non. 3, 4, 5, 2, 1, je crois que c'était. 3, 4, 5, 2, 1. Sinon, c'est la cuisine qui m'occupe aussi. Ok. Là, j'y suis. On va descendre. On l'esquive. Déjà, la pierre tombale, je suis curieux de foncer dedans, en fait. Avec Link. Non, ça fait rien, toujours. Elle me paraît extrêmement louche, cette pierre tombale, hein, toute seule. Hein. Extrêmement louche. Et elle meurt. Merde.
J'ai un abonnement Nintendo Online qui dort depuis que... Oh merde, j'étais en train de lire le message. J'étais en train de lire le chat, j'en peux plus. Voilà, c'est pareil, je pense qu'il faut le grappin. Je pense qu'il faut le grappin, là, en fait. Pour me ramener de l'autre côté, sauter, récupérer, faire tomber la caillasse, pareil. Ok. Alors, pierre tombale. Est-ce qu'on peut les lire, toutes les pierres tombales? Non. Est-ce qu'il y en a certaines qui donnent un message, genre 3, 4, machin, etc. J'en sais rien. Ok. Non. 3, 4, 5, 2, 1, je crois que c'était. 3, 4, 5, 2, 1. C'était ça? C'était 3, 4, 5, 2, 1, les enfants, ou pas? Ah, mais je pense qu'il y avait peut-être le sens aussi qui était important, et ça me l'a pas mis dans les... Ça me l'a pas mis, je pense. Bah non. Je pense que c'était le sens que j'aurais dû regarder aussi. Ah, mais putain, je suis trop con dans ce jeu, chez Nintendo. Sur la Switch, on peut faire des screenshots. J'aurais dû faire un screenshot. Attendez, je vais aller faire ça. Oh, je suis trop con. Y'a pas un raccourci, là, pour y arriver plus rapidement? Non. J'aurais dû faire un screenshot. C'est fait pour ça. Moi, je suis de la vieille école, j'ai pas envie de payer pour jouer online. Avant, c'était gratuit sur console et maintenant... Et sur PC, c'est encore gratuit. Qui paye déjà pour l'accès internet? Ouais, bah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais bon, il y a un filon, hein. Ils ont vu que ça fonctionnait, que les gens étaient prêts à payer. Bah, écoute, voilà, hein. Du coup, voilà, hein, tout le monde s'y met, hein. Nintendo, c'est con, avant, c'était gratuit, et bon, bah... Ils ont suivi le mouvement, hein. Oh, la belle esquive. Oh, Bébert, il serait fier de moi, là. Bébert serait tellement fier de moi. Petit cœur. Non, pas sauter par là, sinon je vais tomber dans le truc, c'est pas la peine. Et merci pour le lurk, Kaifaz, merci beaucoup ma poulette. Alors attendez. Le pire, c'est que doubler le prix du jeu online pour un émulateur Nintendo 64 avec 10 jeux à tout casser... Ouais, c'est... Bon, il y a les Mega Drive aussi, je crois, non? Moi, mon père qui m'a offert 3 mois pour que je puisse jouer online sur Diamant, mais ça m'a tout autant cassé les... Ouais, bah oui, non, mais c'est sûr. C'était où, déjà? Ah, les mystères, ça doit être ça. Non, je peux pas le lire, il me faut la loupe. Ah, mais c'était peut-être ça, alors. Oh, je sais plus. Le pouvoir insoupçonné des couleurs. Ah, c'est ça. Repose sur 5 pierres tombales. Ok, là... Voilà, capture effectuée. Voilà, comme ça, je l'ai. 3 vers le haut, 4 vers la droite, 5 vers le haut, 2 vers la gauche, et 1 vers le bas. Poussez de toutes vos forces, et une nouvelle voie s'ouvrira à vous. Le pouvoir des couleurs emplit l'habit de celui qui aura prouvé sa valeur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je relis une deuxième fois, juste pour être sûr, le pouvoir des couleurs repose sur 5 pierres tombales. Donc il y a bien 5 pierres tombales à faire, c'est pas... Ok. Quoi? Fallait faire ça pour faire tomber le livre? Ah, tu savais pas? Oui, bah en fait, il y a la même chose dans Zelda 3, exactement. Exactement, Mero, il y a exactement la même chose dans Link to the Past. C'est pour ça que je le sais. Il est sur le Nintendo Online, si tu veux, Xuichi. Hop. Lol. Voilà. Le truc, c'est qu'il parle de pouvoir des couleurs. J'ai pas vu des couleurs particulières. J'ai pas la version online avec la NES. J'ai pas la version online avec la NES. Ah bon, d'accord. Okay. Donc là, on arrive au truc. Pierre tombale avec des couleurs. Alors, on va regarder. C'est où déjà? Album, ok. Tac. Alors, 3 vers le haut, 4 vers la droite, 5 vers le haut, 2 vers la gauche, 1 vers le bas.
J'ai fini Resident Evil 7 en VR, enfin, et j'ai pas fait caca culotte. C'est beau ce que tu dis là. Mais j'ai deux de IQ, merci beaucoup. En tout cas, c'est doux, mais de rien. J'ai kiffé le set, en tout cas, beaucoup plus que le village, même si aussi incroyable. Je suis pas un grand fan, moi, des Resident. Hein. En vrai, là, je suis en train de me dire, si ça se trouve, c'est pas des pierres tombales. Ah si, ça repose sur 5 pierres tombales, il dit. Alors, 1, 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Fait une belle jambe. Bon, je crois qu'on va s'arrêter, enfin on va devoir s'arrêter là, de toute façon les enfants il va être 20h. Donc on va devoir s'arrêter là, je chercherai ça la prochaine fois, je vais sauvegarder ici. De toute façon. Mais le pouvoir des couleurs, alors que je vois pas de couleurs en particulier sur les pierres tombales. Hein. Tu sais pas jouer Jack, c'est mauvais. Je coupe un peu les herbes pour voir s'il n'y a pas quelque chose de planqué, mais. J'ai pas l'impression, de toute façon, on va réapparaître. Ouais, voilà. Pourquoi t'as pas fait un live Mero? Si, si, c'était en live, hein. On était là, c'était en live. Non, je t'embête, c'est doux, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Hop. Je comprends pas là en fait. Je comprends pas trop parce que. 3. Il n'y en a pas 3, tu vois. Je sais qu'il y en a 3 qui se poussent là-bas. Voilà. Là, il y a 3 pierres tombales qui se poussent. Ça, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3. Peut-être ici alors, du coup, il faut que je le fasse. Et ça s'arrête à 5, c'est ça, hein, je crois. Il n'y a pas de 6, on est d'accord. 3 vers le haut, 4 vers la droite. Ok, on va essayer 3 vers le haut déjà. 3 vers le haut, donc celle-là. 3 vers le haut. 1, 2, 3, 4 vers la droite. Donc, genre la pousser vers l'autre. Ça marche pas. Ça marche pas, ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, ton gros dragon, là. 4 vers la droite. Il n'y a que 5 chiffres, ok. 4 vers la droite. Il y a maman qui t'appelle, mon bébé. Hein. Ce serait pas ça. Il y a les vélodés, j'ai aussi mis une chaîne YouTube, j'ai même temps fort, Twitch. En gros, c'est des résumés avec des jumpscares. Ok, à un moment, j'ai paniqué, ouais. Alors. Vers la droite. 3, 4. À moins que ce soit toujours la même pierre tombale. Non, je peux pas en pousser d'autres. Faut que j'en cherche une qui se pousserait vers la droite, peut-être. Non. Non. Oui. Attends, Mathieu, attends. Papa, il va... De toute façon, papa, il va s'arrêter, là. Papa, il va bientôt s'arrêter, là, mon bébé. Non. J'en trouve aucune qui se pousse éventuellement vers la droite. Non, Mathieu, arrête! Ouais, il était énorme, celui-là, là. On est d'accord. Hein. Mathieu, qu'est-ce que tu fais, là? Non, tu vas aller avec maman. Bah, papa, il va s'arrêter.
Et re les enfants. Bon. Ça dit gentil. Et ben même d'une fois. Exactement, Mero, ça c'est vrai. Et t'es toujours pas follow chez moi. Et ça c'est moche. par contre, faire ta pub sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Alors. R4, il est bien. Le problème que j'ai avec R4, c'est que j'ai regardé la durée de vie. Il est trop long pour que je le fasse en live. Ça va me saouler. Je vous le dis honnêtement. Ça va être beaucoup trop long. J'essaie de checker s'il y a d'autres pierres tombales qui se poussent. Il n'y en a aucune qui se pousse dans le sens là, en vrai. Peut-être qu'elles se poussent juste toutes, en fait. Le but, en fait, c'est peut-être simplement de les... Est-ce qu'il y en a une en haut qui se pousse vers le haut, en vrai? Déjà. Non. 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 Ok. Logique sur 20. S'il vous plaît. Tu peux pas les tuer en plus les fantômes. Tu peux pas les tuer. Réfléchis. Ça repose sur 5 pierres tombales. 3 en haut, 4 à droite, 5 en haut, 2 à gauche et 1 en bas. Non, je peux pas lire ce qu'il y a écrit dessus, Mero. J'ai pas l'impression. Je réessaye sur celle que j'ai réussi à bouger. Mais j'ai pas l'impression. Non, non, tu vois, il me propose pas de lire quelque chose. On va regarder celles qui peuvent éventuellement se bouger. Celle-là, elle se pousse vers la droite. Ok. Mais je l'ai essayé tout à l'heure, celle-là, non? Je sais plus. Ok, donc là, il faut que j'en trouve une autre. Qui se pousse éventuellement. 3, 4... Ah, mais attends, voir. Si ça, c'était la 3, ça fait dire que celle-là, c'est la 4. Ça veut dire que celle juste à côté... Ah, c'est inversé! Regardez comment ils ont mis les, chiffres, en fait. C'est le plan. Et en fait, c'est inversé. C'est ça, le truc. Ok. Donc, c'est 3. Ok. 3, 4, 5, 2, 1. Donc là, j'ai poussé d'abord celle-là comme ça, ensuite celle-là comme ça. La 3, maintenant, il va falloir que je la pousse aussi vers le haut. Ok. J'ai compris. Enfin, je pense. Celle-là. Vers le haut. Voilà. La 2, ensuite, donc celle qui est en bas à droite, maintenant, va falloir la pousser vers le... Non, celle qui est en bas à gauche, du coup, je la pousse vers la gauche et vers en bas. Celle-là, ce serait comme ça, et celle-là, comme ça. Ah non, je sais, c'est inversé. Donc c'est dans l'autre sens les flèches aussi, je pense. Les flèches, vu que c'est inversé aussi, regardez. Donc les flèches doivent être aussi dans l'autre sens, puisqu'elles sont pas placées pareil. Donc, en fait... Album, hop, tac. Si la... ou alors, ça veut dire qu'il faut que je le fasse dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Les chiffres ont peut-être leur importance. L'ordre... Donc je commencerai par celle du bas où je la fais descendre, après je fais 2, 3, 4, 5. Je vais essayer ça. Donc ce serait 1 vers le bas, 2 vers la gauche, 3 vers en haut. Ok, donc tac, tac, tac. Donc ce serait hop, 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 hop. Tac, 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 et encore une fois. Ok. C'est peut-être l'ordre, hein. C'est peut-être l'ordre. 1, 2, 3, cassez-vous, 4, 5, c'était ça, faut juste le faire dans l'ordre, bah voilà, bah tu vois en fait, Vessia, juste quand t'arrives et que tu me dis, je le savais. Avec la disposition indiquée, bah voilà, temple des couleurs. Oula, ok. Bah on va sauvegarder là, hein. On va sauvegarder là les enfants, je vais pas commencer le temple des couleurs maintenant. Reste Mathieu, reste. Reste Mathieu, on va dire au revoir à tout le monde. Bon, au final il est parti. Bah voilà, on aura un temple à faire pour la prochaine fois les enfants. Nickel. T'arrêtes de faire le dinosaure toi. Il fait le dinosaure derrière moi. Allez, on sauvegarde, on va s'arrêter là les enfants. Demain, 17h, ce sera Deltarune et non pas Zelda. Et si on finit Deltarune plus tôt que prévu, parce que je crois pas qu'il soit encore très long, à ce moment-là, on fera ce jeu, on fera ce... On continuera sur Zelda. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, mais j'arrive, mon bébé. C'est logique en même temps. Ouais, mais je me suis dit, comme c'est inversé aussi, etc., Vessias, on sait jamais. Donc voilà. On va s'arrêter là. Hop, je vais repasser sur la scène. Full cam, tranquillement. On va regarder s'il y a des gens à raid, s'il y a des copains à raid. Vu qu'on est encore 28, on va en profiter. Je vais éteindre la console. Attendez, j'ai sauvegardé de toute façon. Je peux quitter. Voilà. J'éteins la console. Boum. Et je vais repasser sur mon écran normal de PC. Bon, normalement, il devrait le faire tout seul. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes bien amusé quand même aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez pensé du Zelda pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou ceux qui l'ont déjà fait? Du coup, G-baited. Hop, qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Ça va, on a quand même avancé, on a fait un donjon. On a découvert un deuxième donjon en vrai. Ça va! Il est trop cool ce live. Merci Xuichi, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Je remercie également encore le Edgin pour son raid. Le Deep Price pour le follow, iFaz pour le sub offert à Balik, Paishin pour le follow, Beber pour les beats, bien sûr, Jio pour le follow également, et le Sion pour le tier 1 offert, et Balik aussi pour les 10 beats. Merci beaucoup tout le monde, hein. Vous êtes vraiment des amours de supporter la chaîne comme ça, c'est vraiment fou. Merci beaucoup les copains, hein. Vraiment. Hein. Moi j'aime trop ce jeu, mais moi aussi j'adore les Zelda de toute façon. Mais on essaie de les espacer quand même un petit peu ceux que j'ai pas fait, parce que sinon si on fait que du Zelda, au bout d'un moment c'est redondant quoi. Top ce Zelda, ouais, on est d'accord. Moi aussi j'aime beaucoup. Et les ralentissements, au final, on s'y fait quoi. Inversé, c'était pas inversé, bref. Mais si, c'était inversé en fait, Vessias. Si tu regardes comment a été écrit la disposition dans le livre et les pierres tombales, bah en fait c'était inversé. C'est-à-dire que t'avais l'écriture qui faisait ça, tac, 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 et ça s'arrêtait. Alors que les pierres tombales, c'était. Comme ça, tac, 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 et plus long en haut. Il y en avait trois en haut, deux en bas, tu vois, mais calé à gauche, des pierres tombales, et dans le livre, c'était calé à droite. Moi, toujours pareil, j'aime pas le flou, faudrait laisser le choix au joueur de le on-off. Ça, je suis d'accord, par contre, Mero, ça, je suis d'accord. On va aller voir s'il y a des copains qui sont déjà en live. Il est quelle heure? 20h05, je pense que c'est l'heure où les gens lancent, justement, leur live. Je vais aller voir si j'ai des copains. Alors, voyons voir. En tout cas, je suis ravi si ça vous a plu. Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse plus de jeux Zelda sur la chaîne? Je vous le demande quand même, même si on les espacera un petit peu, bien évidemment. Je vais pas les enchaîner. Mais est-ce que ça vous plairait qu'on fasse plus de Zelda sur la chaîne? Parce que personnellement, il m'en reste encore quelques-uns à faire que je n'ai pas fait des gros Zelda. Hein. J'avais entendu que tu partais, je reviens faire le bisou. C'est gentil, mon Remu, t'es un amour. Alors, qui est-ce qu'on pourrait... Allez, Red, y a pas la... Ah, bah y a le Caps Lock. Il y a le Caps Lock qui nous arrête beaucoup dernièrement. Il est sur Five Nights at Freddy's, un jeu d'horreur. Ça va vous plaire d'aller lui faire peur. Zelda plus 10, plus 1 million, 1 milliard, je sais pas, j'ai pas compté les zéros, mais... Ok, donc... Ok, on a des fans de Zelda, ça marche, j'ai bien compris. Minish Cap GBA, c'est le digne hérité. Ouais, mais je l'ai fait. Je l'ai déjà fait, Minish Cap. Ce soir, c'était soirée pizza. Mais c'est bien, soirée pizza. On a le Caps Lock, sinon, on a qui? On a Balik aussi en live sur qui est en train de faire du Kingdom Hearts. Et Minish Cap était top, ouais. Je suis d'accord. Minish Cap était vraiment, vraiment bien. C'était une demande de comment il s'appelle? De Sion, à la base. Il y a la Balik qui est en live, sinon, sur Kingdom Hearts, qui vient de commencer Kingdom Hearts il y a 48 minutes. Chaud ou pas? Vous préférez quoi? Five Nights at Freddy's ou alors Kingdom Hearts? Quel Zelda n'as-tu pas fait? Alors j'ai pas fait Zelda... J'ai pas fini en tout cas du moins. J'ai pas fait Skyward Sword, j'ai pas fait... comment il s'appelle? Zelda... Twilight Princess, je l'ai pas terminé à l'époque, mais je l'ai pas terminé. On a quoi d'autre? On a aussi... Il y a beaucoup de Zelda de Game Boy que j'ai pas fait. J'ai fait Zelda 1, j'ai pas fait le 2, j'ai fait Link to the Past, j'ai fait Ocarina of Time. J'ai pas aimé Zelda Majora's Mask. J'ai Link Between Worlds, je l'ai pas fait, mais je l'ai sur Game Boy, sur 3DS, pardon. Je l'ai pas encore fait, mais c'est chiant. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire sur ma 3DS. Je l'ai acheté, c'est pas pour rien, quoi. Wind Waker, je l'ai fait. Je l'ai fait, Fab Deluxe Wind Waker. Je l'ai fait sur Wii U, sur le remake HD de Wii U. Mais c'était à l'époque où je ne streamais pas encore, mais je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il y en a quand même quelques-uns, tu vois, qui me manquent. Je vous ferai une liste que je posterai sur le Discord.
Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que le Caps, je l'ai déjà raid, lui. Par contre, Balik, on l'a... je l'ai encore jamais raid, Balik. Elle est sur Kingdom Hearts, elle découvre. On va partir chez Balik, celui qui fait du Kingdom Hearts. Elle vient de lancer le premier, c'est la première fois qu'elle le fait. Elle a jamais joué encore à un Kingdom Hearts. Donc, let's go. On part chez Balik. Bon Gigo, des bisous à tous, des bisous mon Romu, des gros bisous à toi. Skyward, c'est top, je vote. Ok. Bah, de toute façon, je ferai une liste et je le mettrai hein, sur le Discord. De ce, je n'ai pas fait. On va pas les enchaîner encore une fois, parce que c'est un peu chiant, c'est un peu relou. Si je fais que de les enchaîner, c'est un peu chiant, tu vois. Mais en vrai, on en fera souvent, on en fera assez régulièrement quand même. Bon, après, quand tu n'as plus, il n'y en a plus. Hein. Let's go, on va partir donc chez Balik sur Kingdom Hearts. Nous, on se retrouve demain 17h pour la suite de nos aventures sur... j'allais dire Undertale, mais pas du tout. Sur Deltarune, chapitre 2, sûrement à la fin. Il me reste pas grand-chose à faire, si j'ai bien compris. Donc, on en profitera, voilà, pour terminer le jeu. Mais re, mon David, et je pars. Re, mon David, on va partir chez Balik, ouais, c'est fini, il est 20h. Déjà 20h10, j'ai le petit derrière qui n'arrête pas de me... Voilà, il est chaud patate, lui. Donc on va partir... on part chez Balik, qui fait du Kingdom Hearts, mon David. Et de toute façon, demain, 17h, suite de... comme je disais... Deltarune, chapitre 2. Je vous fais à tous de gros bisous. Vous mettez le feu dans le chat de Balik, s'il vous plaît. Quand vous arrivez, vous mettez le feu. Non, c'est la fin du live, mon petit toucan, mais je t'aime. Des gros bisous à vous. On se donne rendez-vous demain, 17h. La bonne soirée. Et mettez le feu chez Balik. Tchuss. La touche. Oui.